Merci d'être à l'écoute du Radio Pacifique. Bienvenue dans Pacifique Matin. Nous sommes le vendredi 4 septembre 2020. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information. Bonjour, Jacques. Bonjour, tout le monde. Bonjour, monsieur Saint-Éloi. Bonjour, Dagé. Bonjour, Jacques. Et bonjour, Didier. Bonjour, tout le monde. Et bon week-end quand même. Quand même, Bouisa. Parce que ça va passer dans le quartier défavorisé. On va faire le bien. Donc, ça va être capable de pas permettre qu'on passe un bon week-end parce que l'heure n'est pas à la fête. Je dis que le week-end c'est fait. Oui, ça ne se va pas passer. Il n'a même pas parlé, monsieur Saint-Éloi. On l'a mis dans l'esprit comme ça. Bonjour à toi, Olivier Bouchou. Ça n'a rien d'actualité à matin. Les avocats ont marché pacifiquement à travers les routes de Port-au-Prince jeudi 3 septembre en vue de dénoncer l'assassinat de maître Montferrier d'Orval et du même coup réclamer justice en faveur de l'homme de loi brutalement exécuté. Des voix de la classe politique et de la société civile continuent de s'élever pour dénoncer la double attaque perpétrée contre les habitants du quartier Bel Air et ses environs. Elles déplorent la passivité de la police nationale d'Haïti face à cette situation. Nous parlerons aussi de cette actualité vraiment importante. La monnaie nationale s'apprécie quelque peu face au dollar américain. Depuis environ 2 semaines, l'injection des 150 millions de dollars par la Banque centrale sur le marché d'échange semble porter des fruits. Et la police nationale d'Haïti a annoncé l'arrestation du chef de gang dénommé Albert Stevenson, dit Joma. Ce dernier est accusé de nombreux crimes à Simon-Pelé, quartier limitrophe de Cité-Soleil. Et dans le billet de Jacques Ambroise ce matin pour fermer ce journal, crise haïtienne, véritable cercle vicieux. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition, restez avec nous. Cette titre et tant d'autres, vous serez développés tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, au développement de cette édition. L'édition qui entre chez vous grâce au support de toute l'équipe. Rédaction, Nouclès Debréus et Mario Sylvain. Réalisation, Olivier Bouchereau, Mincro, Jacques Amboise, Moïse Saint-Éloi. Et Jean-François Danéja, comment ça va? Et nous là, déception, chaque jour et plus dans le pays. Hein. Et là, il y a toute déception, ça va, qu'on est, ça passe. Son qui grave et réalité que nous vivons ici dans le pays d'Haïti. Et chaque jour, puis plus, à chaque fois, il y a des gens qui font tout, qui disent mais ne pas comprendre, mais c'est moi, mon avocat, moi, juge dans la rue, il y a pas de justice, mais c'est des gens qui l'ont son paradoxe, son paradoxe. Non, pas paradoxe. C'est ça que je ne comprends pas dans le pays. Nous mélangeons tout le bagage. Nous pas quitter un rien. Tout le monde est mélangé dans nous ou bien nous mélangez tout? Nous mélangeons. Nous mélangeons. Jacques, ok, allez-nous.
Non, je n'ai pas dit que avocat, juge, greffier, Mounsao, c'est premier personnel justice là. Non, mais attendez. Ok, donc les victimes dans le pays, ça se bat à honte. Comme si, d'abord, comment pour avocat, faire pas de victime là. Comme si avocat, lui sorti en dehors de société. Non, il n'est pas sorti en dehors de société. Ah ben, mais c'est des personnes qui ont dû gagner des protections. Qui protection veut dire gagner spécial dans la mesure où. Bon, ou l'a dit mon avocat, bon policier à victime. Policier à victime. Qui gagne des âmes dans main yo, qui peut se défendre. Le policier a plus risqué que le job avocat. Risqué ou pas. Mais au moins, et le policier a son âme pour le défendre. Le policier a un droit de légitime défense. Bon, oui. Et combien de fois, par exemple, aux États-Unis, nous avons des juges qui ont tiré dans la guerre? Non. Mais qu'est-ce qui arrive? Il doit y avoir, c'est le système global qui doit protéger tous les citoyens. Mm-hmm, mm-hmm. Et le système global doit protéger tous les citoyens. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le système permet que tout le monde fasse ça ou bien faire. Et le système, tout le monde réfléchit. C'est un coup, équipe à Barcelone. Depuis 4-5 ans, la paix du monde au fur et à mesure. Depuis 4-5 ans, réforme bureau de fin dans Barcelone, il n'y a pas fait. Depuis 4-5 ans, autant de dirigeants ont demandé des résultats. Et puis, ils ont crasé l'équipe là. Mm-hmm. Et puis, dans la tête, il faut Barcelone, était même gens, et dans le top là, comme si chaque monde n'avait rien. C'est même gens en Haïti. Mm-hmm. N'importe qui monde osé juger n'importe qui monde pour dire son crétin. Pour dire qu'il n'a pas fait le job li bien. Oui. Alors que moun n'ont pas qu'on rien dans ça que la barre là. Comme si, moun n'a pas des moun comme si, qui est expert dans le domaine, qui travaille dans le domaine, dans le secteur. Et puis, il y a n'importe qui d'âme. Qui dit que moun sa pas qualifié. Pas qualifié. Sou qui s'agit pour dire ça, ou pas connaît, non? Sou qui sa le bagay, par exemple, si c'est dans la radio, ou pas écoute, mais son relais écoute. Comme on qualifié écoute. Et ça, moun ne pas comprendre que, par exemple, soit pour aller sur WhatsApp et non sur Facebook, ou ka booster. Ça veut dire que ou ka gagne un message, ou voyer sur WhatsApp. Ou booster, ou payer $30, payer $40, et puis on va gagner 5 000 écoutes, 10 000 vues, 3 000 vues, et 15 000 vues, ou payer $100 et 100 000 vues. C'est-à-dire, ce n'est pas pris exagéré ou non, par rapport à la quantité mounio, c'est juste l'exemple. C'est-à-dire, là où on pourra aller exactement pour dire que, et mettre le bagage, c'est à partir de vue à juger, les vins bons, ça n'a qu'à il y a une fausse impression, une fausse lecture. Et c'est cette fausse lecture qu'a le gouvernement qui fait que nous n'allons pas ça dans le pays. Mais c'est vraiment grave, et ça n'a dit, c'est que, par exemple, hier, on parlé avec M. Benagous. M. Benagous dit assassinat M. Doval, ce n'est pas seulement assassinat contre le monde, c'est assassinat contre la profession, contre la justice même en Haïti. Donc, et crime crapule de ça, Jacques, les grandes conséquences, il voulait dire en pile bagaille, symboliquement. Maître Gousse était ministre. Et c'est pourquoi que je parle de servicieux ce matin. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Parce que chaque fois que nous analysons pour nous faire, et ça fait que des gens qui disent que je parle en pile. Ben, je sais ce que je dis. Et je prends acte de ce que je dis. Parce que nous connaissons ce qui a passé. C'est que quand on arrive, on ne peut pas quitter impression, on ne fait faux pression sur vous pour parler. Il faut dire exactement ce que vous dites. Cercle vicieux, c'est là où vous prenez nos bagailles. Je dis, puisque c'est où qu'il a, et pour trouver que c'est normal qu'il y ait des décisions pour prendre. Mais c'est des décisions qui ont des impacts sur la postérité. C'est des décisions qui ont un impact dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et nous-mêmes en Haïti, qui ça nous fait? Toute analyse nous fait, ou bien notre façon de penser. C'est de gérer l'urgence et le quotidien. C'est ce qu'on fait dans la vie, ici. Mais c'est l'urgence à quotidien. Évidemment, c'est l'urgence à quotidien à gérer. Et Moïse, la réalité est dynamique. Ce qui est clair aujourd'hui peut ne pas l'être, ou bien ne le sera pas dans 10 ans, dans 15 ans. On n'a pas l'autre réalité. Et puis, qu'on y en a pas essayé, soi-disant, avec... Et réalité à qui pas même. Par exemple, je dis à qui ça passe sur qu'on est. Avant que n'importe autorité dans l'État parle à vous, et ministre là parle à qui ça vous dit, pays des locs, 3 mois pays locs, ou dans le ministère de l'Éducation nationale. Et ministère de l'Éducation nationale dit, ah, gros, c'est des problèmes, non pas de clé, 3 mois pays locs, pays fermé. Mais
pays a paré tel loc pour col. Mm. Et gens ou sont à dire c'est balik mêlé. Non, c'est nous qui mêlé. C'est nous qui avons des décisions pour nous prendre. Nous pas prendre décisions dans les pour nous prendre. Et puis vinn gagner des répercussions que l'a gagné. Et c'est pourquoi la situation et la réalité va de mal en pire. C'est tu connais l'histoire et pendant Deuxième Guerre mondiale là. Les nazis a marché pour moun dans quartier. Et puis il te gagné des frères protestants dans quartier. Chaque moun yo prend il dit ah nèg Jacques là t'es parlé trop. Ndé wè ça t'a privé. Faut que il t'a attaqué l'état. Ndé wè ça pour lui. Et yo allé au pour Olivier. Ah ah Olivier mon cher. Il pas poser pas nan rien. Et puis c'est lui en bas qui a marché et par le gouvernement mal. Faisons ces deux causes. Chaque moun yo prend go explication. Et puis gon lè fin pour tout pour c'est l'écrité. Et puis leur était à prendre il dit n'te connait à privé sur moi. Mais l'elle vient rendre ni côté que t'a privé sur là, il était trop tard. Parce que il pouvait faire il pouvait faire de la solidarité avec et quiconque. Parce que tout moun yo t'est déjà yo prend yo tout déjà. C'est-à-dire il faut que nous pas chercher des explications lapidaires, des explications toutes faites. Les gros problèmes qui posent, il faut que nous allons dans nan et problèmes pour nous poser, pour nous faire des vrais débats, pour qu'ils permettent que le pays a lui-même y sorti. Et il pas sorti comme ça. Ça va prendre du temps, mais au moins pour nous prendre route là. C'est-à-dire, les maîtres Gousse dit, c'est la justice et c'est le système qu'on et c'est les avocats en général qu'on a assassiné. Oui. Mais maintenant, c'est la justice même qu'on a assassiné. C'était les mêmes pratiques avec M. Gousse. Mm. Admettons que quand il était ministre, il n'y a pas de garde fou. Je ne vais pas le juger, non? Parce que là, il est avant M. Gousse. Je dis même pas, plan, oui. Pas un ministre. Pas un ministre justice qui passe là. Ou bien pas un gouvernement qui passe là. Nous ne jouons pas Jean de Zaxao, non? Sauf par exemple un gouvernement, un gouvernement provisoire qui seulement pour un an. Mais tout gouvernement, et même dans le gouvernement provisoire, parce que M. Gousse faisait partie du gouvernement provisoire, le fait que le défait plus qu'un an, tout le monde a un dérapage qui fait. Ce qui est privé pour nous dire, stoppons le dérapage. Et ça veut dire que je dis à la justice qui a privé là, combien de fois qu'on a attendu, et depuis qu'on a eu 50 000 gouttes dans le poche, dans la prison. Ça veut dire qu'on a eu. En plus, le bandit qui a tout le monde dans la rue, ça a eu. C'est pas avocat. Oui, c'est avocat, c'est juge, c'est même chaîne. Non? Mais ça nous voulait, ouais, c'est que le bâtonnier était l'image même de la profession. Donc, assassiner un bâtonnier, c'est assassiner toute une chaîne. Bon, on a assassiné le président. Et Jacques, ça veut dire que le problème qui gagne, je dis, ah, yes. Il fait coup d'état, il fait toute la lutte rosée. Il y a des gens qui barrent. Mais maintenant, tu as coupé un dadis, mais de gousse, d'accord avec elle. Que c'est grave, que bah l'arrivée non point et c'est là ça qu'on non cercle, dans ce cercle là où est son monde qu'on a vu et qui vit vicieux, qui t'a blessé n'importe qui monde à n'importe qui moment. Mais question Jacques pour nous finir avec et chapitre ça va c'est moi déjà et abaisse c'est que après ça et déjà qui ça même c'est à excité. Ouais. Ça qui passe c'est que est-ce que même excité, avocat ça si toutefois la justice a fait travail Jacques. Il est adjoint et auteur crime ça. Il est arrivé devant la justice. Est-ce que y a un avocat qui t'a marché hier yo pas vrai le défendre? Mais oui, mais ils ont attendez. Quoi ça dit là, c'est une question fondamentale. Et son question ne gardien. Où est-ce arrivé dans mettre mon feuille d'oval? Heureusement, dans mes cours ça depuis lundi. Gete distance non te essayer prendre non pas aller non si c'est comme ça pour mon dit non gros journaliste mon attendre c'est là on pas besoin gros journaliste comme ça parce que on pas journaliste à sensation non pas journaliste qui marche dit n'importe qui bagaille faut que nous gon distance que nous prend pour analyser question les gros crimes qui perpétrés tant que exécution moi l'exécution qui fait sous mettre mon ferré d'oval là quand en plus sous sous danger. Ou comme si ou pas carrété d'un revers de main et vous dit ah il était non problème avec danger c'est danger tout il était non problème avec Jacques qui voulait assassiner c'est-à-dire
tout bon criminologue qui s'est arrivé, c'est pour mettre toute hypothèse sous table. Parce que ce qu'a pensé qui causa, ce n'est pas lui qui causa. Et nous-mêmes, dans qui ça nous fait Moïse, par rapport à la question posée, nous faisons poser et nous jouons une solution rapide. Oui. Même si c'est de fausses pistes, même si c'est de fausses solutions. Tant qu'on hier, et dit Jackson Alexis dit que nous jouons trois présumés et assassins et à téléphone mettre Doval et dans main yon nan yo sous Bel Air. Et l'endan de Jean Bel Air qu'on y a là. Comment vous faites? Et on croit que Gongon qui t'est venu et rectifié et ça par la suite côté qui ont dit que et mon yo a été Bel Air pas rien pour avec les affaires et bâtonnier. Mais c'était déjà dit. Oui, et là parce que c'est légèreté qui gagne dans question. Et communication et pas monsieur Damsa au Jacques Ambrose. Et c'est pas où tu dis le nom? Non, pas moi. C'est pas moi qui dis le nom. C'est pas Moïse qui dit le nom. Quand c'est un secrétaire d'État la communication, qui dit le. C'est-à-dire, où tu as vérifié l'information, hein? Tout à fond, tu es déjà clair. Bien avant que vous finissiez, et je me suis dit, même pas à la conjecture, là, parler à mettre de valeur, toujours un discours ça. Au lieu que nous régler des problèmes conjoncturels, on régler plutôt dans d'autres structurels. Évidemment. Là, nous gérer le structurel, l'abgérer. Il pas posé encore. Il pas abgérer pour dire. Et même l'elle poser la police sous d'autres formes, côté que l'évoluer. Peut-être qu'on aspect nous pas trop l'en poser le jour d'hier, qui vient l'autre aspect. Par exemple, le jour d'hier, pas aucun problème qu'on va le poser dans n'importe quel pays pour ne pas tenir compte des réseaux sociaux. Oui. Ça, c'est important. Nous, et M. Nabé marché hier, au cas où il était dans la rue, Jacques Mel était dans la rue, quoi que. Et tout cap ici, il était dans la rue. Dans les 18 et. Non, il m'a rendu de quoi de bouquin, 18 et 18 juridiction. Il était dans la rue, tout côté. Ok, il était quoi de bouquin. Bon, et M. Nabé marché dans la rue hier, il marché, et il n'y a pas quelques paroles qui parlaient. Pour de plus, comment ça t'est, Moïse? Oui, et il y a un avocat aujourd'hui qui était marché hier, et qui était. 3 septembre, dans Port-au-Prince, se tire à la rivière pour arriver devant la Cour de cassation. Il y a M. Bernard Gousse, M. Yvel Fanfan, qui est dans Baroua, M. Simon Dussel Dera, qui était là tout. Baroua, tout est spécial. Baroua, non, même Dieu dans la rue. Il était dans le prince. Oui, il était dans le machin. Et puis, il y a Mme Marie Ozi, qui est représentée à NDDH, qui était parlé dans le micro, en côté. Et quelques difficultés empêchaient que nous joignions son sérieux. C'est plusieurs monde qui étaient fait partie. Nous avons remarqué tout plusieurs têtes. M. Carlos Circule qui était là. M. D'Orléans, Henri D'Orléans qui était là. On écoute quelques-là d'ailleurs qui t'a réagi dans le micro. C'est un symbole de profession, sa profession à représenter. C'est-à-dire qui pour dire le droit, qui pour défendre. Pour défendre les gens, pour défendre les gens qui n'ont pas le droit à la parole. Donc, là, ils ont fait ça, c'est comme si ils ont attaqué toute société. Parce que non seulement ils ont attaqué la profession, mais ils ont attaqué la société. Parce que la société, c'est porte-parole qui gagne pour défendre les gens. Et même les gens qui voient faire là, les gens qui ont gagné pour défendre les gens sont avocats. Donc ça, c'est vraiment un crime, non seulement contre le monde, mais contre la société et contre la profession. Nous, même dans RNDDH, nous avons demandé toute justice pour tout le monde qui a tombé. Le monde Bel Air, massacre fait au niveau de Bel Air, massacre fait au niveau de la Saline, massacre fait au niveau de Cité Soleil, massacre fait au niveau de Pont Rouge. Et comme tout le monde est là, pas jamais bien justice, c'est toujours enquête qui se poursuit. Et donc nous, là, aujourd'hui, pour nous dire, M. Dorval, c'est le dernier goût de loi. Nous pas qu'à continuer à vivre dans un pays côté le monde a tombé comme ça. Et donc, c'est pour ça que nous l'ajoutons. Moi, marcher pour notre bâtonnier. Nous marcher pour le savoir qui a été assassiné. Nous marcher pour l'intelligentsia qui a été assassinée. Pour la société qui a été attaquée. Pour la profession d'avocat qui a été attaquée et assassinée. Et pour nous tous qui là, qui a été attaqué et assassiné. Pour que nous disions, un, ce n'est trop, c'est trop pas trop. Et nous demandons l'État, fermez robinet Cap-Baïsan. Moi-même, je voulais dire à ceux qui font ça, les vaincus du présent seront les mécontents de demain, les révoltés de l'avenir. Et l'avenir, ça, c'est l'avenir qui n'est pas trop loin, c'est l'avenir qui est très proche.
bien que parallèlement à cette marche pacifique, des militants qui supportaient les revendications des avocats ont érigé des barricades de pneus enflammés dans plusieurs artères de la capitale et cassé des pare-brises de plusieurs véhicules. Au terme de ce mouvement, la bâtonnière AI des avocats de Port-au-Prince et le président de la Fédération des barreaux d'Haïti, Maître Jacques Létan, ont dénoncé ce crime de trop et souhaitent que justice soit rendue dans le plus bref délai. Ils exigent la fin du règne de l'impunité dans le pays en vue de l'établissement de l'état de droit. On écoute. Les barreaux de Port-au-Prince, touchés, encensés par l'assassinat de son bâtonnier, Maître Montferrier d'Orval, réclament justice, justice pleine et entière. Trop souvent, les enquêtes se poursuivent indéfiniment pour se diluer dans l'oubli et consacrer le règne de l'impunité dans ce pays. Trop souvent, les enquêtes qui prétendent aboutir ne déroulent que sur la condamnation des exécutants sans jamais remonter à ceux qui ont conçu, planifié et mis en route le processus criminel. Depuis ce vendredi 28 août 2020, nous sommes toutes et tous orphelins. L'un des nôtres a été abattu comme un chien. Antoine Montferrier d'Oval assassiné. Avocats réunis dans 18 coins dans le pays pour dire assez. Système et justice n'a pas qu'à continuer. Trop sang coulé de tous côtés. Sans trompette, la justice n'a pas sonné. Martin Luther King disait, nous ne sommes pas satisfaits. Et nous ne serons satisfaits que le jour où la justice se déversera comme un torrent et la droiture comme un fleuve puissant. Maître Doval, héritage ou là. N'a gommé pour violence et impunité dans le pays à Kaba. Avocate et avocat, engageons-nous pour défendre l'état des droits. Voilà pour les déclarations de Mme Marie-Suzy Legros, qui est bâtonnière à I des avocats de Port-au-Prince, et Maître Jacques Létan, qui est président de la Fédération des barreaux d'Haïti. Pendant ça, on a fait qu'on est que nous sous Juvena, ensemble avec vous, dans la rubrique Coup d'œil que Télévision Pacifique pote pour chaque matin pour capable connaître qui gens ça. Oui, nous voilà à l'UCA. Donc, nous sommes Juvena et nous avons pensé qu'il faut qui gens circulation. Et bon, nous sommes Juvena assez fluide matin. Hein? Nous n'avons pas un blocus qu'on a habitué à gagner le matin. Hein? Peut-être que je dis assez. L'école dit que le blocus n'a pas couvert. Il n'a pas couvert. Non. Oh, ah oui, Union School. Union School. Non, mais nous quittons l'école là longtemps. Là. Oui, mais matin, il a passé par là. Union School, il fait. Et l'école a fonctionné de bas. Oui, mais Boudon, il m'a envoyé. Non, mais Boudon, il son cas. Mais Boudon, beaucoup de rien. Il m'a passé. Il me dit, bon, m'a passé dans. M'a sorti et canapé vert. Bon, je prends ce trafic là. Et puis, je descends, je passe dans Rue d'Alencourt. Je sorti des Doumer. Le préfet m'a jamais fait un rude alors comme lui me dit ça qui passé comme on dit mais a fonctionné pour quelques timons lui me dit ok non mais qu'a fait ça que gagne l'école pas gagne l'école mais a fonctionné mais d'autres il y a quelques semaines de cela ou en deux semaines de cela et même bon nous pas fonctionné du tout avec timon en uniforme mais maintenant par contre uniforme il l'a utilisé mais moi plusieurs timon a sorti mes boudons avec uniforme sur normalement tu demandes de moi c'est que il reprend oui mais est-ce que vous prenez gens toute l'école vous reprenez ou encore vous reprenez la même formule Cyril Gonzague et annoncé que pas reprendre si vous portez uniforme c'est que l'école arrive non moi je veux te dire c'est par rapport à ça qui gagne pour avec comment on fait ça roulement non mais attendez c'est le timon vient de dire avant une demi etc ou même c'est débat ou rien pour faire à part ces gars c'est ça c'est on parce que c'est le bout dont on est et c'est son notre c'est lui dévoué c'est parce que le monde c'est lui qui avec qui fait qu'on connaît que c'est par rotation c'est à dire maintenant et si vous besoin c'est passé mais bon fait l'école fonctionne oui. Parce que l'école a fonctionné chaque jour, du lundi au vendredi, nominalement. Peut-être même au samedi. Non, mais c'est pourquoi j'ai dit nominalement. Okay. Parce que il y a l'école qui fait l'école samedi. Et il y a même qui compte des délais convoquer le dimanche. Dépendamment des besoins qui gagnent. Mais Kafou ça, monsieur Kafou, mes boudons, hein, et mes boudons, c'est dit, bah, ça, c'est toujours un blocus. Un blocus qui pour là depuis arrivé bord. Presque bossé en UMC. Et parce que, attendez, pas mon bail. Là, pour route là, son côté qui est difficile. Par exemple, dans la rue d'Angers, fait découvrir.
D'Alencourt. D'Alencourt. Mm. Et d'Alencourt, là pour sortir là-dedans, pour entrer, d'ailleurs, c'est mon petit mot noué. Oui, c'est OK? Il dit bon ralenti obligatoire. Et ensuite, il y a un petit crevasse pour permettre de l'eau passer. Ça veut dire que quelqu'un soit joué, il prend 5 à 10 secondes oui. pour ralentir net, pour passer là-dedans, pour virer. Pour virer. Et c'est exactement rentré. Et il y a un grand bagage qui est encore, dans le même côté. Là, on a parlé du point de vue de circulation. Hein. Mm. T'as qu'arrivé que gon là, d'après ça, les gros autobus circulation ont été gardés pour eux, dans la zone, par rapport à ça, faire plus blocus. T'es qu'à gon les zones ça, ils sont zones stériles, ça veut dire que vous faites sens unique. Mm-hmm. Mais vous faites sens unique. Mais qui est arrivé ce qu'on est? Dans le monde qui a sorti et Pétionville, il y a viré par Dalanco. Oui, pour y aller canapé vert. Et pour virer canapé vert. Oui. Grand parti qui a descendu et net pour aller sur la lue. Mm-hmm. Dans le monde qui a sorti Dalanco, il y a ça viré pour descendre à la lue, il y a ça viré pour monter Boudon vin Pétionville. Mm-hmm. C'est-à-dire, vin gon gros lobby, cafouillage, même si policiers. Qui toujours font bon travail dans Kafoussa, il faut reconnaître. Mm-hmm. Même si on est après à les machines, mais flux machines qui gagnent, quantité machines qui gagnent, c'est-à-dire que, et par rapport à et difficulté qui gagnent là même, mm-hmm. dans la route là, mm-hmm. comme si c'est un grand Kafou. Mm-hmm. Ah, mon cher. Oui, toujours. Et ça qui cause les taux, c'est que on l'autre Kafou Pioua, l'autre monté Vin Pétionville, on l'autre Kafou Pioua, côté que, machine qu'on sortit sous Delma, il est passé par une 40, Delma 40 A, ok, pour y venir tomber, pour y descendre sous Boudon. Qu'on a fait pile machine ça, au jour là ça cap sortit Pétionville cap descend, c'est eux qui viennent créer. Maintenant c'est circulation pour qui te gagne, on se dit là, mm-hmm. par exemple des pont plan et côté réservoir, des réservoirs. Oui, des réservoirs Boudon. Qui ont fait sens unique. Net. Bien que ils sont uniques, oui. dans la machine cap sortit en train de pour virer comme ça pour pas. Oui. Non mais par rapport à ça qui a viré comme ça pour entrer, pour monter Pétionville. Mm-hmm. Il va passer de préparation. Il vient créer plus blocus. Oui. Les affrontés qu'un policier là pour empêcher que Mounio prenne comme ça. Oui, donc, on a plus le problème qui gagne. Nous là, et sous nous, on a pu garder, sous canapé vers nous, on a pu garder pour nous comment la situation de trafic là est bien avant nous. Rivé Chan Mars, pour nous permettre que le public est capable de suivre. Et comment ça va la ville de la Moïse. Oui, il y a le coordonnateur général de l'Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation, Clarence Renoir, a exprimé sa grave préoccupation suite au grave acte de violence perpétré au quartier Bel Air et ses environs. L'ancien candidat à la présidence se dit d'autant plus choqué que ces actes soient commis sur le regard passif des autorités étatiques. Ces derniers sont d'après lui incapables de contenir l'action des gangs armés dans le pays, a déclaré le leader du parti UNIR. On l'écoute. J'ai un thème qu'on n'a pas assisté là, c'est-à-dire que des gens qui sont dans des quartiers et qui trouvaient que le quartier était sous feu, rame. Donc, il y aura abrité à déplacer à l'autre côté. Et on se dit que l'on peut y mettre côté guerre l'ensemble des forces de sécurité et les représentations les plus officielles, symboliques de la République. Le palais national, le quartier général de l'armée, les forces de police, le ministère de l'Intérieur, tout. Tout qui t'a dû garantir un large périmètre de sécurité et assurer mon qui est dans la zone Sayo. La paix, possibilité de vivre bien, alors c'est tout le contraire qu'on a constaté, et il paraît même que l'autorité aussi, mais leur impuissance, leur indifférence par rapport à ça qui a passé. Mais son au sentiment de colère que lui suscitait la caille au monde, et l'on a ce type de situation sans assister à lui-même dans la capitale pays d'Haïti. La Union a déjà réagi, déjà, nous lancé appel à l'autorité, encore une fois, puisque c'est ça, nous avons fait lancer appel à eux pour ne pas quitter la population. À victimes de gangs. Ça, c'est non assistance à population en danger. C'est les crimes que ça a révélé. Et connivence, complicité parfois, tout le monde connaît qui vient entre autorité Mouyo et groupe de gangs, c'est que justement, ils ont paralysé. La police n'a pas agi parce que par contre, est-ce qu'il agit, est-ce que ça plaît à l'autorité politique yo? L'armée n'en parlons pas. Donc voilà, et dans une situation que nous avons croisé des chemins où le pire peut arriver. Et puisque c'est la première fois que ça arrive, et nous voyons que l'autorité ne veut pas jamais réagir. Exemple tel que n'a pas assisté là, c'est-à-dire que des gens qui viennent de cadre. À deux minutes. Les élections ne sont pas possibles dans le contexte sociopolitique actuel, a par ailleurs estimé le coordonnateur du parti UNIR. Cela ne ferait qu'enfoncer le pays davantage dans la crise. A renchéri Clarence Renoir, on l'écoute.
pour un système démocratique, l'élection sont nécessité liée à contre la forme de l'élection. Cependant, pour faire l'élection en tout, il faut le climat lié approprié pour faire l'élection. Je veux dire, dans le pays d'Haïti, pas gagné en quelles conditions qui réunit là pour l'élection. On est plein de tout qu'on a parlé. Si on veut que la population haïtienne a massacré, j'en fais passer ce bel là, et bien c'est pour le dire à l'élection. Et si on dirige à lui-même besoin de massacrer la population en plus toujours, c'est pour le dire à l'élection. Parce que, regardez, si l'autorité va intervenir là, pour stopper ce qui a passé là, sur le côté population, ce qui était la petite quartier, et nous connaissons, population la cité soleil, dans Solimo, dans le côté encore où souffle nourri, dans la Tibou et de tout côté. Donc si on va faire ça, qui élection va le faire là? Et nous ne pouvons pas faire élection, hein, nous ne pouvons pas faire élection, hein, pour nous quitter ces gens qui ont des armes à la main, qui ont contrôlé l'Union, c'est eux qui ont fait campagne pour continuer, et c'est eux qui ont contrôlé sa place sur l'Union. Si c'est une élection que nous voulons faire pour ces bandits qui viennent dans le Parlement, pour ces trafiquants, ces armes, trafiquants de drogue, toute qualité type de trafiquants contre bandits qui parlent dans le Parlement, nous avons 51e législature qui c'est plus pire que 50e dans que je la. Si c'est une élection que nous voulons faire, allez-y. Mais nous avons besoin de participer au mieux, unir, on va l'emballer comme ça. Et moi, j'ai toujours pensé que la modernisation, c'est un qui est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que il y a des gens qui doivent comprendre que dans le 21e siècle, l'ère de Internet, de l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux, etc., nous avons une ère de modernisation où la politique aussi se modernise. Et que mon acteur politique doit moderniser les actions. Par contre, il y a des gens qui étaient capables de dire ancrés dans le passé du 18e, 19e siècle pour faire politique, c'est par le feu, par le viol, par le vol, par la corruption, par le sang, par les armes à feu. Autre point à ce journal, mouvement de liberté d'égalité des Haïtiens pour la fraternité Molégaf et la centrale nationale des ouvriers haïtiens CNOA disaient condamner les attaques perpétrées au quartier Bel Air durant le début de cette semaine. En conférence de presse jeudi, le coordonnateur général de Molégaf accuse le pouvoir en place d'être l'auteur intellectuel de ces attaques car, dit-il, les autorités sont de connivence avec les bandes armées. On écoute David Oxygène au micro de Ouven Sefa et je Philippe François. La première approche là, qui c'est l'approche de sécurité, là, ça c'est logique pouvoir, logique allié pouvoir. Et ça fait me dire, lycée approche pouvoir, lycée approche partisan pouvoir, lycée approche tout le monde qui allié pouvoir et approche ça, il pas déranger pouvoir dans rien. Nous disons déjà approche là, l'Ichita Sousanouele, crime d'État. Nous elle est exécution, nous relèvons le massacre, nous relèvons l'assassinat, nous relèvons les mettre du fait dans les malheureux et malheureux. Nous relèvons les mettre du fait pour bouler bien malheureux et malheureux. J'étais première approche pour montrer c'est insécurité généralisée. Pour inscrire là, deuxième approche là, comme crime d'État. Et son approche réelle liée et son approche politique. Genève là, c'est milice pour voir en place là. Même Jean Macoute est milice. François à Jean-Claude Duvalier. Pour sa part, le responsable de la centrale nationale des ouvriers haïtiens, Dominique Saint-Éloi, déclare que les actes de violence dans les quartiers populaires entraînent des conséquences néfastes sur les ouvriers de la sous-traitance. La majorité de ces travailleurs habitent des quartiers où les gangs armés sèment la terreur, a indiqué le syndicaliste. Écoutons. C'est Jovenel Moïse encore, dans la propre zone encore. Ou est pas de sécurité et je ne j'ai dit si des questions pour poser, il n'y a pas l'autre monde que Jovenel Moïse et nous-mêmes, j'ai dit à nous-mêmes dans CNOA, Molégaf, nous demandons avec avocat, nous demandons avec étudiants, nous demandons avec professeur université, nous demandons avec professeur l'école, moun quartier populaire, ouvrier, tout paysan, nous voulons faire un appel solidarité. Et on appelle des mobilisations pour que nous mobilisions, pour nous capables de faire une chaîne de solidarité pour nous mettre Jovenel Moïse à terre sous pouvoir, pour la répondre à la question de la justice devant tout crime qu'elle fait sous le quartier populaire, sous paysans avec ouvriers. Tout le monde connaît bien, le monde qui derrière Jovenel Moïse, c'est impérialiste américain, c'est impérialiste français. C'est impérialiste Vatican, c'est impérialiste canadien qui derrière Jovenel Moïse
qui kembèl sous pouvoir, qui fait peuple haïtien continuer à victime tout ça sa yo. Et crime sa yo kap fait dans quartier populaire yo, et impérialiste a gen main droite li direct dans crime de sang sa yo, parce que journée jodi a zam sa yo kap débarquer dans douane chaque jour. Et dans douane yo où est la police a arrêté, journée jodi a pa jam bay origine zam sa yo dans qui factory zam sa yo, gros zam de guerre sa yo sorti kap entrer dans pays a, ni tu yo pa di dans qui pays yo sorti. Parlons économie. À présent, la monnaie nationale s'apprécie quelque peu face au dollar américain. Depuis environ 2 semaines, l'injection des 150 millions de dollars de la Banque centrale semble avoir porté la fuite. Ce jeudi 3 septembre, il faut 113 gouttes pour un dollar américain, selon le taux de référence de la Banque centrale, alors que les banques commerciales ont affiché un taux encore plus bas. Rappelons qu'en conférence de presse la semaine dernière, le gouverneur de la BRH avait annoncé la mise en place d'un ensemble de mesures en vue de parvenir à la stabilisation du marché d'échange. Ces mesures concernent la réduction des dépenses publiques, un plus grand contrôle sur l'action des banques commerciales sur le marché national. Oui, mais ministre, qu'on y a gouverné à Wayo, parce que nous parlons avec un économiste italien, je venais pas 10 minutes avec lui, qui dit que il n'y a pas parlé sous point ça, pour qui ça, parce que j'ai apprécié les gars de bagarre là, et c'est par rapport, c'est comme si c'est bon Jack Dyson, et pour nous, mais ça n'a pas porté aucun résultat, et il n'y a pas fait 4 jours pour me dire, il n'y a encore, et bientôt, mais il n'a pas décidé de parler, pour qui ça, parce que et Banque Centrale t'a invité dans mon tableau que tu as fait, physiquement, il n'a pas porté le bien pour le aller pour le dire, et ça qu'il pensait là. Mais je vous dis, elle n'a pas qu'à monter sur la radio pour la critiquer au niveau ça. Et il est d'accord avec lui. Il est athlétique. Et il dit qu'il n'a pas critiqué, mais il m'a parlé de professeur Gérald Chéri, docteur en économie, et que tu vas parler avec lui ici. Mais c'est qu'on a parlé. Tout à l'heure, là, à force de parler économiste. Oui, non, pas de docteur. Ça, c'était oui. Oui, maintenant, on parle du docteur Chéri, et qui dit, qui prend position, qui dit que c'est pas, ça pas pour rien, ça pas pour grand chose, parce qu'il parle de refrapper dans la figure nous et bientôt, mais il dit on va regarder encore qui est important Jacques, il dit que les médias sont responsables de tout parce que débat ça a supposé faire, ou bien avant que et action ça a opposé, parce que c'est débat ça qui a permis à ce que les autorités prennent des dispositions pour que soient capables. Tout à l'heure, nous allons parler avec Edmond Dupuis Bozil, le futur des démocrates, mais entre-temps, Jacques Amboise. Là, je suis fini d'accord avec l'économiste. Parce que si c'est pour faire débat, nous faisons, nous parlons, nous avons bouqué de la bosse là, qui conseille des problèmes à poser. Mais maintenant, quand je suis d'accord avec Dr. Chéri, mesure ça qui prend, c'est un coup, son petit calme. Mais qui ne peut pas guérir la maladie. Parce que guérir, et malin aller plus loin, lui demander pour faire plus d'investissement pour aller garder. La première, la deuxième question qu'on doit se poser, quelle est la nature de ce mal? Pour qui ça que un petit bout de temps après, et on va pas voir que le dollar retourne montant quoi. Et ensuite, je dis à là, les 150 millions injectés, qui est-ce qui en bénéficie? Parce que deuxième bagage est danger. Dollar descend. Prix produit que qu'on achète toujours été même genre et pendant venir chapitre prix produit moi j'ai un ministre et commerce là qui a fait une sorte de théâtre et Jonas Kofi qui a annoncé que eh bien pour prix respecter pour libérer prix fait en gold dans ce marché il ben 72 heures a écoulé. OK, il est fini. Oui, il est fini, parce que moi c'est yam d'appli 72 heures a écoulé. Mais maintenant par rapport avec mesure qui apprend, au paquet de supermarchés qui est toujours en douleur, et au paquet d'espace qui est toujours en douleur, mais ce n'est pas problème de douleur dans l'espace. Ça, oui. C'est Jean Mounio monté pour du haut. Mais ça ne va pas dire rien. Mounio monté pour du Jean Ouvlé, et puis Kounia, mais s'il a pâché, il a parlé de faux paquet de barres. Ça, c'est une. Personne ne va pas comprendre ça. Ça, c'est une. Si vous avez un libre échange, c'est là où on l'achète, et puis chaque monde, dépendamment des business, il a changé le cobble, il a changé la taux qu'il voulait. Ça veut dire que prix ça qu'on va l'acheter, on va acheter ce à là et 455 gouttes. OK? Et pour aller dans l'autre maquette, même ce à et même qualité à et pour elle et 500 gouttes. Oui, ça veut dire que il y a 75 gouttes de plus qui mettait. Bon, pour vous, j'aime qu'on a un bagage. On maquette, on connaît. qui gagne de mettre de deux côtés
Ou passer dans la maquette ça livre ça puis dans l'autre là il vend l'autre prix c'est ça produit, même produit alors que prix maquette ça qu'on a parlé là yo si c'est même maquette était de standard ouais, juste parce que c'est même administration hein. Mm-hmm. Ou du moins grand autre bagaille ça qui arrivé que c'est franchise à au vendre. Mm-hmm. Et ça oh, oui. Y a quand franchise à oh, ou kawe ou kawe Moïse maquette là. Mais même Moïse Market qui Pétionville là, c'est vrai, c'est même j'ai un temps pour McDonald's. Mais dans pays côté qui gagne règles, même si c'est Olivier propriétaire, il y a des règles générales faut qu'on suive les. C'est que pour y avoir. D'ailleurs, Goua produit ça soit pas les mêmes gens. Les relations franchise, c'est des exigences, des obligations qu'il faut. Mm-hmm. Pour dire que, ok, mes conditions pour remplir. Si conditions ça n'ont pas rempli, mon cher, nous regrettons ça, nous avons tiré l'amour. Oui, ça clé. Bon, son pays, tout le monde fait ça au vle, et grand secteur, même, il pense que c'est dans le pays à y, donc il fait ça au vle, il n'y a pas de cap du rien. Même si il y a des mesures qui annoncent, papier fait, il y a des gens qui montrent que sérieux dans ça fait, mais et ça vraiment pas fait. Et question de douleur là, vraiment, oui, qui j'en. Pour me vraiment parler qui j'ai un ministre et commerce pour laisser gérer ça, même s'il dit comme ça que tout prix doit afficher un good, même quand il finit ça, on paraît dans l'entreprise, ouais, tout prix affiché en dollars et correctement. Afficher prix en good ou en dollars, ce n'est pas le problème. Non. C'est qui qualité de production qu'on gagne, qui ça nous produit, comment on a gagné, influé prix sur le marché, comment on a pris un côté, même si on a dit bah, là, en dollars, et écoute. Si vous allez et dollars 105 gouttes, 105 gouttes, 103 gouttes pour un dollar. Mais si vous avez un taxi, c'est 110 gouttes. C'est 110 gouttes. C'est même pas là, oui. Et Madame Edmond Supplice Bozil, présidente de la fusion des sociodémocrates haïtiens. Madame Bozil, bonjour, merci un peu pour disponibilité. Où, comment vous allez? Non, il y a un compagnon qui téléphone Babo ici et fait complot, fait pas fait parler. Mais maintenant, mon Dieu, plus fort, et nous avons causé. Jeudi à la, et l'actualité haïtienne est dominée par cette question d'insécurité. D'abtenir nous-mêmes au niveau de la fusion des sociodémocrates qui est remontée par rapport avec et différents et assassinats qui fait, particulièrement assassinat qui fait sous Ebon Ferrier d'Orval, la Kaili, bâtonnier de l'autre Port-au-Prince, et surtout ça qui a passé depuis lundi soir. Pour jusqu'à avant-hier soir, Madame Bozil, dans le niveau et commune Belay. Bon, pas commune Belay, mes amis, zone Belay. Zone Belay. Vous avez fait des communes. Oui, mais il fait des zones. Zone Belay. Bon, mes amis, est-ce que je salue l'auditeur? Non, je salue vous. Et l'auditeur pacifique, on salue nous. Donc, je dis que. On dit Belay seulement, mais. Ce pays, oui, bien sûr. Dernièrement, avant-hier, on m'a parlé, on m'a dit, Edmond, au commune de Dame Marie, qui très reculée, au commune de Dame Marie, au commune de Gondos, qui très reculée, la commune de Gondos, la Gondos. Donc, je me suis dit pour me dire, comment pour une commune de Gondos, qui est gagnée là-dedans, et qui est utilisée tout. Donc, autant de gens, on m'a d'être tué, on m'a pêché avant-hier. Donc, on a dit que aux policiers gauche jeune dans son camp, il dit, et tu as que le secteur, et puis le revolver, il s'en fait lui. Il se perd du côté parce qu'on est à la police. Donc, alors que tu n'es bien pas jamais ouais, monsieur, dans jambes qu'on est monsieur, nous avons fait quoi j'ai décidé que c'est monsieur qui est un gros problème avec lui, qui est respecté. Donc, nous vivons aucune impression que si on a donné ici, ça doit être un mot pour nous. Est-ce que nous tous sommes adorés à la web? Que policiers à peu près sexuels, jeunes que vous mettez les âmes dans les mains à drogue là, pas des contrôles encore, mais l'entend des voix qui sortent dans monsieur Captain Marouzon.
l'entend des voix qui sortent dans la bouche de ces avions qui disent que nous sommes montés sous avion et que nous sommes pas négociés avec nous. Et quand je constate le pas de défendre le bébé, et ça me tombe, nous n'en veille. Ça veut dire que pour garder cette partie de là, c'est pour eux-mêmes sortir la fièvre, c'est pour nous garder contre la fièvre là, qui mène nous dans toute zone ça, on sort qui nous prend de là, surtout Matisse, qui fait des clémères et Valentine, passant sa vie, passant sa vie, passant ma rose au lendemain et ma comptable. Pour arriver et qu'il mette d'Orval. Et c'est ça pour nous garder que nous boutons que tout le monde allait, je vous dis à nos familles là, c'est pour nous garder cause la fièvre là pour nous guérir la maladie. Et il faut garder cause la fièvre là pour nous guérir la maladie là. Et Madame Bozil, bonjour. Et nous ne parlons pas d'explication, une réponse facile. Mais par rapport à ça, et n'a vivre là, aujourd'hui, dans le pays, Madame Bozil, est-ce que ce n'est pas un résultat, et nous avons dit 150 ans, 200 ans de mauvaise gestion, nous ne pouvons pas planifier rien, et puis c'est notre déni de la science, nous n'avons pas rien de rationnel. Nous pensons que nous ne pouvons pas avoir l'autre résultat, Madame Bozil. Écoute. On pense que pour avoir nous sommes même bien bon, il y a une génération qui sont gros râler sous ça, on parle de 150 ans, non. Moi-même, je vais commencer à faire politique en 90, ça veut dire. Moi, comme je dis sur le micro là déjà, et ma poésie, il m'a toujours dit, politique là fait plus dégâts, gestion politique là fait plus dégâts. Dans le pays, il y a une catastrophe naturelle. Nous ne sommes pas dit, nous avons vu une ressource vivre en 2010, là, nous, ouais, pas de tremblement de terre. Mais le tremblement de terre a fait moins de dégâts que ça. Homme politique, comme je dis, pas dire homme politique, parce que en plus, nous avons dit, il n'y a pas de homme politique. Il y a une sénateur, une députée, il n'y a pas de homme politique. Il n'y a pas de homme politique, il n'y a pas de politique. Au contraire. Ce jour-là, on a commandé au sud-ouest, on a des partis politiques qui gagnent. Donc, on ne peut pas des partis politiques en eux-mêmes qui peuvent gérer l'État. Donc, ça veut dire que ce n'est pas. On veut qu'on des partis politiques gérer le pays. Donc, c'est des gens qui ont improvisé de ces hommes et de ces femmes politiques, et c'est eux qui viennent gérer l'État. Et ils sont fiers de ça. Ils sont en politique. Quand ils sont gérés, ils sont des premiers ministres, des présidents, ils disent même pas en politique, moi-même. Vous entendez? Alors, s'il y a des sujets politiques, quotidienne au pays. Et ils ont dit, ils n'ont pas fait politique. Mm-hmm. D'accord. Ça m'avait autour. Pour le moment, dit, j'ai vécu des choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, le banditisme d'État, instauré sous régime de Bali, on parle des marques du banditisme, dans la mesure où il était officialisé, c'est la milice d'État qui était officialisée. Au passé, le traité du Valier. Maintenant, après le départ des Duvaliers, vive la démocratie, nous, la démocratie. On est allé chercher le prêtre-président. Mais sous le prêtre-président, c'était la même chose. C'était une milice sans nom. Bon, pas qu'à dire pas sans nom, t'es que la médecine en chef, t'es que l'année rouge. Donc, nous-mêmes, comme nous, qui fait politique, comme si nous, bon Dieu, ce sont des peuples nous, il faut nous dire, mais ça passe. C'est nous qui fait que nous ne pouvons pas comprendre l'homme des pouvoirs. Et que pour nous gérer pour tout le monde, nous n'avons pas besoin de faire l'armée par nous pour permettre que nous sommes capables d'assurer à rien nous. Nous tellement son seule option, notre seul agent, qui je pour me voler, qui je pour me gagner des pouvoirs, puis bien pour me dire bon. Et c'est ça qui, pour moi-même, si nous avons fait radiographie à Israël, pour qui raison? Pour qui raison je dis, et puis bon là, vous m'avez pas mettre là-dedans. Décadence, c'est pas fait, les gens base, les gens souches. Souches-là, c'est une bonne famille. Une famille qui est désagrégée par rapport à un environnement de pauvreté, ça, qui pas de nom, un environnement très gros. Et que c'est triste, nous, qui faisons décider, et ceci, quel que soit le classe ou pas d'où il y a, nous faisons. Action nous y ont conduit par triple. La jambe besoin d'avantage. Grand goût, besoin de manger, besoin de protéger à rien, ouais, pour que demain, c'est comme qu'à faire 30 ans, je n'ai pas de travail, pas besoin de travail, qu'il y ait une côté ni à monde, je fais l'argent. Alors, est-ce que l'argent va aller où, monsieur?
Mm-hmm. Et c'est pour ça que je dis à notre émission, nous, chacun nous-mêmes comme journalistes, nous avons des possibilités pour nous faire, parler avec ce milieu. Parce que, mon qui tire, monsieur Captain aujourd'hui qui prend machine là avec tout le monde, on n'est pas contre si c'est vrai que vous n'êtes pas courir ta fille, il lève l'école, mes amis, si c'est pas vrai, mais quoi que, il faut payer, il faut camper. On nous faut camper pour nous dire non. Ça, nous n'est pas capable d'accepter que si nous, malheureux, a fait deux fois pour voir l'école, qui était perdu en l'école déjà, par exemple, pour retourner à l'école pour que ce monde s'arrête. Pas presque mon noyau de malversation, de faire pression sur l'État, parce que si on pas tout y est, l'État ne peut pas parler avec eux pour mettre l'argent dans la main. Et mais c'est même mon dans l'État qui met des armes et munitions, et maintenant qu'on y a là, ils ont quitté la main pour te préparer une élection, pour qu'avoir le pouvoir, je dis là, ils ont demandé d'une pression de mon avel, comme si toute population, c'est lui-même qui toujours une pays pour ça. Madame Moselle, histoire baronnette, ZAM dans le pays d'Haïti, il remonte de très longtemps. Nous songeons à la Santonax, qui a distribué physique. Il a dit, mais physique, il est esclave. Mais physique, il est bon, non. Mon qui veut retirer l'amène, il veut nous esclave. Et nous entendons, et barbecue tout dernièrement, non, non, et pas seulement nos voix. Il dit, même Rosea, pas de monde qui a venu retirer, garder l'amène. Mais entre-temps, vous sortez parler là de politique qui mon qui fait politique dans le pays a, et yo pas jamais bail parti politique vraiment dirigé dans le pays a, et même avant l'été que parti et néolibéral avec parti national laisse à nous qui qualité gouvernement te gagne et ces guerre civile vi retourner et coup d'état l'armée et rentrer Port-au-Prince et prendre l'autre, ça veut dire il n'y a jamais eu de stabilité. Je dis à la, Madame Moselle, parce que temps au passé, temps au changé, même si nous avons l'impression qu'il y a des pratiques qui demeurent, ça n'est qu'à faire pour nous trouver, on dit qu'à l'entente, parce que l'entente totale là, la difficile par rapport à la position là, et yo à l'opposé. Et par exemple, nous, le président Jovenel dit tête droite dans l'élection, alors que la situation n'est pas propice et pour l'élection. Pour preuve, Monseigneur Dumas dit, il y a des voyés, il y a un ministre qui vient sous doyer pour dire, désirer moun nan CEP pour l'élection qu'a faite et n'abord moun nan Vatican. Dans un contexte comme ça, comment nous avons un petit espace pour nous chiter à vous, pour nous parler, pour nous essayer de sortir, Madame Moselle? Bon. Difficile ça, que dans cette analyse qu'on fait de Saint-Thomas, de Saint-Thomas, ça passe par tous les alliés, pour aboutir à la démocratie totale, la capitale, n'a pas dit les moments, n'a pas dit les moments, que son testament, la bouche, nous, que n'a pas dit, au moins nous-mêmes, peuple haïtien, nous concevons la démocratie totale capitale, et comment, nous comptons. Toujours nous quitter le produit nous-mêmes à la fois, comme peuple docile, et puis qui pourra faire pour le réveiller, et puis qui chaque jour regarder les voisins pour nous dire pour qui ça nous mène pour ça, et que nous obligeons chaque jour pour le job de la caille voisin, pour le président, à Bindi Mabal, si nous avons des jobs là quand même, une petite job là, et puis la caille. Et ça me donne le nouveau président aussi, le nouveau président dominicain. Une situation qui apprend nous l'aide chaque jour et respect que nous avons pour nous, comme Haïtien, dans quelque soit pays. Dans le passé, quel que soit pays, il a parlé de nous. Depuis qu'il a fait la parole, il a toujours parlé de la meilleure patrie, il a fait battre bravo pour Haïti. Mais pas longtemps, nous avons dit que c'est ça. C'est comme si nous avons dit que on dit qu'on prend des balles ici, on a dégradé, et puis qu'on est là. Il n'y a pas qu'à faire, on ne va pas parler à toi. Même genre, situation à l'intérieur de la famille. Parce que nous n'avons pas parlé de la famille, puisque on a des téléphones, on a des téléphones, madame, monsieur a des téléphones, madame a des téléphones, non même. Nous, on a un téléphone, et puis, c'est déposé pour nous déposer le téléphone dans le dernier. Mais là, nous, on va jamais parler de la famille. Existence de réseaux sociaux, existence. Et conditions
globalisation, mais c'est nous, que nous-mêmes en Haïti qui n'a pas jamais développé cette capacité de dialoguer ensemble, nous qui n'a pas jamais développé, ça veut dire que je dis, émission la période de Noël, il était capable, dans j'en ai conduit là, il était capable de faire que nous fassions la géographie quand même. Nous, nous d'accord avec Et utilisation, ça m'a parlé la hauteur, non contrôlée. Même si non contrôlée, dans la mesure où je crois pas qu'on a toute façon de dépendre. Exemple, Taïwan. Exemple, Taïwan, si tu n'as pas 20 ans, si tu n'as pas 20 ans, tu n'as pas droit à une carte et SIM. Donc, ton papa ou ta maman, c'est lui pour la carte SIM, ils ont pas pour vous. Maintenant, ça veut dire que le Taïwanais doit avoir 20 ans. Donc, nous-mêmes en Haïti, on n'a même pas régulier. Donc, en fait, tu vois là, tout le monde a téléphone, quel que soit l'âge, il y a des gens qui contrôlent ça pour nous. Donc, nous venons commencer déjà en nos familles haïtiennes, par là, on a dit pita, pitrice. Et c'est pour ça que, comme leader d'opinion, nous venons pour nous, on va parler de dialogue, pas uniquement parler de dialogue politique au niveau stratégique. Il faut parler de dialogue dans les familles. Il faut ne pas dialogue, maman, papa, parce que on a perdu tout. Nous pas guérir déjà, et puis nous pas à cultiver. C'est politiquement plus difficile. L'âme d'accord avant, oui, et madame Bouzil. Mais quand même, par rapport à la politique, là, c'est où pour prendre une décision. C'est mais c'est une question, oui, mais le politique, là, ouais, donc j'ai fait nous faire. Elle dit que le fait que nous parlons, nous parlons, nous conscients de nous, on est de nous, ça pousse à faire ce sport. Mais nous, et ma femme, ça nous fait aussi fermer, fermer pour y aujourd'hui. Je dis à ma femme qui, avec cette démocratie populaire, ma femme, nous, c'est comme si moi, avec OPL, avec AAA, avec Vérité, avec Mid-Force, avec tant d'autres ITAM, nous, toute organisation, ça y est, m'a regardé, donc, c'est comme si en 2019, nous avons dit que 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 nous avons nous constituer un espace de réflexion que nous avons concertation politique. Donc, nous vous le besoin est là, on n'a pas qu'à désespérer. Et comme toujours dit au monde, de quoi faire politique, c'est pas les causes. Pas l'aile pour faire vivre nos réalités. Pas mensonge, non. Il y a des mensonges répétés, des mondes qui pas toujours fait mentir, et donc tellement fait mentir, mensonge à une réalité. Donc c'est pour ça que je me dis, répétez ce bagaille-là, ce bagaille-là qui a été notre statique. Je dis, nous, deux espaces de dialogue que nous créons entre des organisations de la société civile, des personnalités de la société civile et des partis et organisations de groupements politiques, nos codes, la cité de code, et cohortes patriotiques, VIEIO, et Vérité, toute organisation ça y est, nous chita ensemble, nous réfléchissons aujourd'hui pour nous garder comment notre pays a sorti là-dedans. En plus de ça, on pourrait que le ministère qui prend encore dans cette civile pour nous faire capable de faire un événement 31 août ou un grand pays organisation crépole. C'est vrai, c'est pas encore le dialogue. C'est pas encore le dialogue, mais c'est un événement prometteur qui montre que en pays organisation. Madame Bouzil. Et ça va dire la correct, mais n'a pas le fond de 10 minutes pour nous monter le drapeau. Mais qui s'en a rien, mais qu'on répond pour nous, le tourner dans monter le drapeau et après nous faire monter le drapeau. Est-ce que Chita nous fait là, content, et dans des gens pas abordés là, et ou prend des exemples, par exemple, dans le secteur démocratique là, t'es gon époque, et il y a été shooté sous fusion en pile, et je dis à nous, Chita nous commence à parler. Est-ce que l'en Chita, nous trouvons base pour nous réfléchir tout bon vrai, et qui t'a payé, on va pas répondre moins ça. Mais est-ce que nous dit, nous gardons un danger, et puis nous dit ça, pour nous dire, comme si nous dévidons sans hypocrisie, et puis pour nous, c'est une affaire route ensemble. Ou après, pour nous, après, nous faisons monter d'abord. On monte d'abord, Olivier. Il est déjà 8 heures.
Madame Mozilula. Olivier, il fait moins technique pour nous rejoindre dans quelques peu de temps. Oui, il y a un petit problème. Et technique encore. Oui. Où on arrive avec un problème technique, téléphone, n'importe quel monde qui veut faire mal. Et puis, il dit quoi? Il dit au téléphone. Il dit fuck d'homme. Compagne. Et c'est vrai. Et c'est vrai parce que regardez comment nous nous causons. Et assez intéressant là avec Madame Bozil. Et puis dit nous tout bagarre OK bon. Madame Bozil ou là. Là. Nous t'a dit avant répondre nous à faire bail téléphone ça son bail était chargé Madame Bozil. Ah. Pas nous même qui t'ai fermé. Et c'est couper oui. Va nous faire maintenant. Oui, où t'as des questions. Des questions. Mhm. La toute première réunion que nous fait fermé. Mhm. Et c'est un mai début juin. Mm-hmm. Première rencontre que nous faisons, c'est nous garder notre place. Mm-hmm. Et pour toujours dans le confinement, c'est une réunion, c'est des réunions Zoom. Vraiment, nous gardons notre place sous Zoom là pour nous dire vérité. Mais pas live. C'est sous Zoom. Comme si nous devons nous face à face même. Non, dans le début, il y a. Ok. Dans le début, il y a. Mais par exemple, d'abord, par exemple, pour une réunion hier, qui était très important que nous soyons dans le décor qui. Allô? Bon, il voit la communication. Bon, en tout cas, Oui. Non, là, on vous écoute, Madame Moselle. Nous dit que. Faut utiliser la pédagogie pour travailler ensemble. Faut que nous, j'aime que dire la déclaration d'engagement, qui sont les premières actions que nous faisons ensemble. Nous déclarons que nous travaillons ensemble, nous mettons une structure campée pour nous unifier les propositions par rapport à la situation, pour nous donner une réponse à court, moyen et à long terme. C'est engagement ça que nous avons pris dans la déclaration d'engagement 20 juillet. Maintenant, là-dedans, nous avons dit qu'il y a un organe, nous avons mis en place un organe pour gérer la question ça. Et je crois que c'est plus gros démarche que nous faisons pour structurer l'espace de réflexion. Nous commençons à implémenter la déclaration d'engagement. Nous gagnons et chaque jour, nous avons rencontré pour permettre que nous créions habitude de travail ensemble. Et pour nous faire, à chaque étape, nous faisons accord. Chaque ça que nous mettons d'accord sur lui, il a bien un accord que nous avons signé entre nous. Et hier, dans la discussion, nous faisons plus gros accord que nous pensons que nous avons gagné entre nous. C'est pour question d'aller dans le gouvernement ensemble ou bien. Allô? Oui, ça va être fait mal, papa. Alors, ça va? Oui, ça va, la bouche. Ça va. Nous dit que. Ah, nous avons des coupures de temps en temps. Et nous avons des bossiers à lui. Mais tant que dans nos clés, tant que nous avons des clés, nous avons tout, et puis nous avons des coupures. Et oui, ça va mieux. Ça va mieux? Et bon, on était commencé l'émission bien pour vous. Il n'y a pas de paroles, n'a pas les ça ne veut pas avoir tant de paroles. Il y a des paroles, il va avoir tant de paroles. Il va avoir pour ce dialogue-là, il va faire lui. Mais je nous dis que, pédagogiquement, comme on vous dit, qui, pas vrai, pour l'autre ici, bon, on sort pour aussi. Quel que soit le gouvernement de Calgué là, il faut nous mettre d'accord. Il y a une ligne que personne ne peut dépasser. Si vous voulez gagner contre corruption, si vous voulez gagner, on dit que bon changement systématique qui vous fait, il faut que nous changions d'agneau. Si on dit ça, il faut que
nous impliquons ça dans le temps, pas changer le système. Non? Et si d'accord, mais nous tous qui d'accord pour nous avoir ensemble, on dit qu'on veut changer le système foncier. Olivier, ça quoi c'est? Olivier, oui, 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 ça va, ça va. D'accord, nous faisons ça. Oui, oui. On dit qu'on veut système. D'accord, qui s'actionne le système et bien sûr, encore tout simplement. Mais, Madame Bozé, nous n'avons pas trop de temps encore, parce que, un peu de fois, la réalité a forcé le monde et fait et enseigner des actions qu'on ne peut pas faire. Par exemple, le climat de violence, dont tu as commencé une interview, et qu'on a décrit à travers le pays, que ce soit dans Grand Danse ou bien dans le plateau central, je t'ai dit là. Et est-ce que ça n'a pas mis devant Carrefour, il faut qu'on aille vite pour au moins qu'on signal clair. Nous voyons pour la population, on a dit, bande d'assemblée changer. Nous n'avons pas de temps. Comment nous avons fait ça pour accélérer le processus? Madame Mouzil? Non. Oui, on a compris une situation difficile. La communication qui a battu nous, matin là, et misère pour nous passer pour une fois entrevue. Par rapport à la question technique, ça qui a passé. Nous prenons la finie tout à l'heure avec Edmond Supplice et Bouzil et avec lui, Edmond Supplice Bouzil, nous connaissons qui c'est président de la fusion des sociodémocrates haïtiens. En espéré, Jacques, que communication lui-même va rétablir et d'y passer mieux fois ça pour que nous capables de poser les dernières questions et puis clôturer entrevue ça avec responsable parti fusion, Jacques. Je ne sais pas si vous avez entendu Madame Bouzil. Excusez-moi. Des questions pour aller vite là. Excusez-moi. Qui veut aller vite pour tenter sa monture? Donc, nous sommes en train de préparer notre monture. Maintenant, ça me t'a dit, c'est que, en réalité, qui peut gagner pour moi-même, selon moi-même, Foc et président Jovenel Moïse, il faut l'accepter que le pays n'a pas géré ni administré jamais pour faire libérer Valtédine. C'est une réalité. Foc ni M. Jout, avec tout le ministre, yo, tout directeur général, yo, parce que quand on me dit, l'on est là-bas, toi, on n'est pas capable de dire ou pas de responsabilité, moi-même, c'est pas les salons, c'est pas les politiques là. C'est un grand vinvoyé dans l'abattoir, moi-même, mais pas tout est bête. On n'est pas tué bête. On n'est pas capable de dire où est l'abattoir et qu'on n'est pas responsable de ce qui mourit. On est responsable de ce barrière à ouvrir. Donc c'est pour ça que je me dis, tout le monde qui est administration Jovenel Moïse, dans la, tout le monde qui est dans le cabinet, yo, tout le directeur général, nous tous, nous co-responsables de tout ce qui a passé dans le pays. Pendant là, Madame Bozil, où dans des propositions de Gabriel Fortuné? Gabriel Fortuné était mal dormi et puis mal réveillé, il faut mon digestion. Je vais même réfléchir sur ça, Gabriel Fortuné. Maintenant, je pense que Franck Jovenel Moïse acceptait que son mandat arrive à terme et en regard des prescrits de la Constitution. Si Jovenel Moïse acceptait ça, mon déclaration sur la mer, c'est pas. Là, on était dans une démarche qui porte avant sur la fin de son mandat. Maintenant, nous pas même, honnêtement, nous pas même parler de ça pour le moment. Même pas bien quand on a les premiers. Mais maintenant, parce que tout va être en chance, vous comprenez? Maintenant, on me dit, si il est confiant et qu'il n'est pas soigné là dans cet état, sinon, désastre. Un désastre. Si lui-même, il t'a dit, je suis confiant, qu'effectivement, on va pas gagner là, pas gagner, on dit, me fait. Pas gagner, on dit que ma café. Tout ça, il dit, depuis caravane changement là, caravane tête en bas, caravane normal vient tourner. Donc, s'il confie que c'est votre femme qui est là aujourd'hui, et que s'il t'a fait une déclaration, la favoriser le dialogue. Pour qu'il a fait déclaration ça, la va permettre que toute force politique, parce que là, elle aime parler de toute partie de cité là, c'est vrai que c'est majorité partie qui nous connaît le pays là qui est là pour le moment. Maintenant, ça qui l'autre qui parle ensemble avec nous, ça, c'est pour permettre que eux-mêmes, que ils comprennent la nécessité publique pour que le dialogue ait élargi et pour nous venir un accord politique entre nous. C'est vrai que PHTK et consorts, ils ont un pays à tout. Et quand on dit, ils ont un abattoir à tout. Ils ont un abattoir, ils ont beaucoup de tout ce qui a privé là. Donc tout le monde d'information, tout le monde connaît qu'ils ont un pays à gérer dans le même. Donc, maintenant, ils ont même, ils sont capables de voir le poids pour confiance.
qui a été disponible pour nous vivre notre procès pour nous vivre notre procès, qui a été disponible pour nous vivre notre procès et la saline. Il faut tout à comprendre des marches là pour qu'on dit on sauve le pays, nous mettons disponible pour la justice. Seul bagage est allumé par des persécutions politiques. Au bon environnement, comment c'est créé de par les déclarations partout et par là. Mais maintenant, nous pouvons là, mais Jovenel Moïse, Guérin Bagaille, pour le faire, il faut qu'il comprenne que la respecte contre. Au moins, la bonne bagaille, il a respecté. Et Madame Bouzil, dans la dernière réponse au BAM là, c'est la dernière question que je pose. Ou tant qu'on a privé. Parce que nous, là, c'est sur la porte de Bayou. Mais Haïti en pire, écoute, même j'en veux, oui, qui parle, on peut parler de quoi maintenant, non. Et c'est un agnan, non, mieux même. Et qu'est-ce que vous avez là? Un agnan, l'Avendino. Ah, moi, c'est l'Avendino. Oui, mais vous avez dit que nous n'avons pas de temps pour nous payer. Bon, c'est vrai, nous n'avons pas de temps pour nous payer, mais nous n'avons pas de temps que, plutôt nous, pour j'aime que ça arrive là, je dis, on va prévoir. Mais est-ce qu'on est d'accord avec moi que, est-ce qu'on est d'accord que le pays n'est pas géré? Si madame Bozil, si on n'est pas d'accord ça, ou pas ouais ça, c'est que, ou pas gagner l'esprit ou avec. Merci beaucoup. Mais maintenant, est-ce qu'on est d'accord tout? Attendez, je vais demander une autre question, on répond nous vite. Est-ce qu'on est d'accord tout? Que, particulièrement, les gens qui ont le pouvoir, ils ont dit que, pouvoir, c'est bon Dieu qui baille lui, c'est force baronnette qui baille nous, sont capables de vivre. Mais connaît que vous dites ça. Mm-hmm. Mais connaît que vous dites ça, même qu'on est avant, il y a des gens qui te disent plus fort que ça. Mm-hmm. Ok? Mm-hmm. Nous connaît des gens qui te disent qui est plus fort que ça. La force de l'histoire apparaît à Cabano raison. Mm-hmm. Puisque des gens qui te disent que on règle contre Maca. Il y a des gens qui te disent que c'est un petit bagage zut là, qui n'est pas capable de faire nous faire un paquet en panade. Donc il y a plusieurs gens qui te disent qui gros bagage que ça, il n'y a pas pour aller. Il y a des pouvoirs pour 50 ans. Mais est-ce que Mounsao tout, Mounsao et Madame Bozil, parce que j'ai l'impression, ça cap j'en ai joué là, Américain, Mounsao, quand on est arrivé, dit, je ne pas avec nous encore. Mais nous pas senti que le sentiment ça a beaucoup de monde qui l'a aujourd'hui. Bon, là, Donc la main de l'étranger. Mm-hmm. C'est une constante, j'aimerais me dire. Mm-hmm. La main de l'étranger est une constante à leur manière. Ils ont malé à façon paillot. Ils ont un jeu pour que ils contrôlent tout ça après. Et le plus souvent, ils jouent des projets qui n'étaient disponibles pour Bayon, pour faire tout le travail de la là pour eux, pour qu'ils aient payé dans la place. Mm-hmm. Ils ont pu aujourd'hui transformer le pays en pays consommateur à 1000%. Mm-hmm. Donc, ils arrivent, c'est nous ça. Mais ce qui va faire pour compte, c'est les hommes d'affaires de ce pays qui contribuent à ça. Mm-hmm. Pour que nous transformions le pays. Et puis, les jeunes des mounes qui viennent des jobbers pour pouvoir, à tous les niveaux, quand pile jobbers, nous mettons les jobbers parce qu'il n'y a pas d'élection, vraiment, c'est pas élu ou élu. Jobbers, ils viennent servir le système ça. Et c'est pour ça que c'est que le module, sans question, n'a pas mené nous parler de pays aérien, le vrai pays. Et nous prenons l'autre rendez-vous. Nous prenons l'autre rendez-vous pour nous parler de okay. Ça, Madame Bozil. Vous d'accord avec nous, ça mérite que nous parlions. D'accord. Et c'est comme si tout le monde, on parle de l'élection, qui ça vous concerne. Est-ce que l'Américain d'accord? C'est comme si c'est ou pas un pays, ou pas indépendant vrai. Oui, mais c'est vrai. Même si tu as une petite tentative qui fait avec privé, et l'a fait élection avec l'argent payé. Une petite tentative. C'est une tentative qui fait avec privé, mais maintenant, à mon avis,
c'est vrai qu'il fait élection avec comme pays. Ça, c'est un acte qui peut entraîner que cette décision pour nous prendre pour nous. On prend décision nous-mêmes d'abord, mais ça ne va pas dire parce que tu fais élection avec. Parce que ça ne va pas dire parce que tu fais élection avec pays. Là, que des hommes qui puissants de ce pays pas décidé avec l'international qui pourrait nous mettre sous pouvoir. Et 30 secondes, nous finissons, madame Bozil. Pour nous défendre l'intérêt, nous. Merci, Nicolas, pour dire, mes amis, nous sommes contents de dialoguer avec vous, Mathieu. Maintenant, nous dit que où est le comportement de l'OEA, et nous va parler de l'IJOTI, hein. Nous avons dit tout simplement, vous allez mettre un petit mot sur ça, nous dit que l'OEA, c'est l'institution que nous membres la donne. Chaque OEA et dit, là, au pays, par le Parlement, pendant tout le temps, ça, il était doué immédiatement indexer les gens qui sont pouvoirs pour vous rappeler à l'ordre par rapport à comportement qui ont été gagné. Ils ont attendu, c'est comme s'ils ont accepté. Ils ont accepté le renvoi et du Parlement sans que pas gagner le Parlement pour remplacer. Et puis ils ont quitté Charou, il a passé, je veux dire, ils ont voulu imposer nous leur cadre volonté. Moi-même, je crois qu'il faut qu'on attende la force n'a payé. Il faut être conscient que c'est ce pouvoir en place qui est responsable de nos réalisations de cette élection. Monsieur le Pacifique, merci. Et est-ce que la population captain de Noir, réveille, citoyen, l'obligé fait la mort de Dorval, pas capter été content. Parce que si nous arrivons sur nos bâtonniers, il y a arrivé sur nous chaque. Si bâtonnier au prend la rue, si avocat au prend la rue, c'est pas seulement avocat qui prend la rue, faut que médecin prend la rue, faut que comptable, tout ordre agronome, ordre et médecin. Nous chaque cas touché, c'est pas seulement avocat. Hier, c'est plus avocat qui prend la rue. Nous avons besoin que tout audio comprenne, volontairement, c'est pour tout habiller. Pour nous prendre la rue, pour nous à l'accompagner maintenant, dans le dernier. Merci un peu. Pacifique. Merci un peu. Passez bonne journée. Merci. C'est Madame Bozil avec les. Nous avons causé sur la situation pays. Et surtout, ça qui est intéressant, c'est par rapport à. Et Chita Rende qui gagne entre nous-mêmes dans l'opposition. Hein, et bien que nous-mêmes, nous pensons que son bail pour qu'il fait vite, parce que la situation. Hein, grave, passé accent grave, Moïse. Donc, nous n'avons pas de temps pour nous perdre, nous n'avons pas de temps pour nous entendre. Ça veut dire, et tout ça n'a pas fait faire ou bien, c'est-à-dire, c'est un bon chirurgien pour qu'il baille bon coup de couteau. Oui, cas grave, et je pense que nous n'avons pas qu'à mettre le passement encore. Nous avons ces opérations et maladies amendées, donc nous n'avons pas qu'à couvrir avec grand encore parce que. Les graves et les urgences, et tout le monde a subi dans tout sens, que ce soit dans l'économie pays, dans l'éducation, dans la santé, mais dans l'insécurité. Donc, nous pensons qu'il faut qu'il y ait des mesures urgentes qui pour prendre une façon pour que Haïtiens et Haïtiennes qui sont petits de l'Haïti soient capables de râler en souffle par rapport à la situation et pays à lui-même nous vivre depuis dernier temps ça. Oui, nous allons parler tout à l'heure avec un sociologue qui m'a parlé de et professeur Eleonore, lui qui lui-même c'est docteur en sociologie et nous avec lui nous allons fonti bas de bouche et matin docteur en sociologie de l'Université de Montréal et professeur lui a une formation multidisciplinaire avec une maîtrise en sciences sociales de la faculté latino-américaine des sciences sociales à Mexique avec les matins pour aller analyser, garder et conjoncture à pays d'Haïti. Professeur, merci un peu et pour disponibilité ou bonjour, bienvenue sur Antenne Pacifique. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout auditeur, auditrice Pacifique. C'est un plaisir pour moi de participer avec nous dans l'émission ce matin. Et son plaisir matin pour nous fontir et parler par rapport avec l'actualité qui a dominé le pays nous. Et je vous dis à l'art, nous pourrons aller garder deux grands points avec vous, particulièrement ça qui est pour avec question de sécurité. Mais tout les affaires, élection qui a parlé par rapport ici, non, conditions pareilles dans le pays nous. Je vous dis à l'art, il est frappé et le barreau de Port-au-Prince à travers son bâtonnier, ça n'a pas empêché et gagner des assassinats qui continuaient à fêter et chaque jour. Le sorti lundi privé mercredi soir, Moun Belé vit une situation difficile ou même en tant que sociologue, qui est intellectuel, universitaire, l'a regardé ça qui a passé dans le pays à la après message que vous venez voir la société à travers l'assassinat de Monseigneur Dorval, qui sont dit tout pour vous sur lui. C'est une société qui a un problème de vivre ensemble. Nous avons un gros problème pour nous vivre ensemble parce que. Il y a
de groupes qui a commis seul ça au connaît c'est la loi des armes, c'est tirer, c'est kidnapper, c'est tuer et gagner probablement de monde qui derrière tout ça qui commandait. Il reste à la justice pour qu'on ait qui est surveillé et puis pour mettre hors d'état de nuire. Mais il se trouve que dans la société que nous y est, que nous là, nous avons une société qui est caractérisée par un grand malaise social. Un grand malaise social parce que personne ne se sent en sécurité dans ce pays-là, dans cette société-là, à Port-au-Prince en particulier. Et il y a des gens qui disent je suis sorti, ils ne savent pas s'ils vont rentrer. Et il y a des gens qui disent c'est qu'il n'y a pas un coq solide déjà. Et c'est comme d'expression de désespoir de la part de citoyens et de citoyennes qui étaient doués capables de vivre tranquille dans le pays parce que c'est des citoyens et des citoyennes qui mettaient en place un pouvoir. Il se trouve que le rôle du pouvoir dans la République, c'est de s'assurer que tout le monde est capable de vivre bien, mais tout le monde est capable de vivre en sécurité pour vieux et pour bien eux. Et là, situation de malaise social, ça traduit par l'autre réalité, c'est l'incapacité de nos dirigeants d'assurer le vivre ensemble, l'incapacité de nos dirigeants de faire en sorte que les citoyens puissent vivre en paix dans la cité. Et ça, cette incapacité-là, il faut probablement chercher à savoir qu'est-ce qu'il explique, hypothèse ou bien... Et solution que je vais gagner pour matin pour me dire pourquoi ils ne peuvent pas assurer la sécurité des vies et des biens, pourquoi ils ne peuvent pas assurer le bien-être d'un collectif, hein, pourquoi ils ne peuvent pas garantir le vivre ensemble, m'baronner pour ça. Ben, sauf que moi-même, ça me voit comme situation, c'est que le vivre ensemble est difficile. Et il est difficile parce que nos dirigeants, ils n'arrivent pas à exercer leurs fonctions comme il faut. Et ceci, moi, je pensais que c'est une préoccupation majeure pour tout le monde. Et est-ce que vivre ensemble, ça va parler là, et professeur, c'est pas parce que à l'origine même de la fondation de cette nation, on n'a pas su créer un pays pour tout le monde. Et côté que nous pas dit que justice sociale et égalité pour nous gagner, pour chaque monde capable d'aspirer. Et à un idéal, à une vie meilleure, nous ne pouvons jamais poser problème ça réellement en dans le pays. Ya. Et peut-être c'est ça qui continue jusqu'à ce qu'on dit, qui fait que c'est la pointe de baronnette qui toujours est à peu dominée. Moi, papa, c'est ça. Parce que nous, le pays qui prend naissance dans le rapport de lutte, rapport de lutte pour l'indépendance, rapport de lutte pour l'abolition de l'esclavage, rapport de lutte pour la fin de la ségrégation raciale, rapport de lutte pour la fin de la colonisation. Donc, nous avons un pays qui fait la violence. Donc, la violence en soi, c'est un mauvais bagage. Mm-hmm. Parce que la société ne saurait exister sans violence. Mm-hmm. Okay? Parce que si pas de violence dans la société, comment on a fait vivre? Parce que si pas de violence, nous avons une situation d'anarchie totale. Oh, mais cependant, c'est quel type de violence? Parce que l'État, qui fait une institution qui t'a adoré, l'État que nous avons là, t'a adoré le monopole de la violence légitime pour faire appliquer le droit, eh bien, il se trouve que l'État n'est pas arrivé à faire ça. Donc, là, nous te prenons naissance comme pays, nous te prenons naissance dans la logique pour que tout le monde soit capable de vivre libre, et tout le monde capable de vivre tant qu'au monde, tout le monde capable de vivre dans le bien-être dans le pays. C'était l'idéal des Salines, non? Mm-hmm. OK? Bon, évidemment, ça ne veut pas dire que les nations ont fini de créer et que tout le monde est sur le même piédestal, tout le monde a la même fonction, tout le monde a le même intérêt. Il se trouve que des Salines tenaient en bataille pour que tu aies une certaine répartition équitable des ressources de la nouvelle patrie. Bon, nous connaissons, cela lui a coûté sa vie. Mais dans toute histoire au pays, nous connaissons des moments côté nous connaissons même sous Duvalier, on n'est pas reprocher et Duvalier et son dictature qui était gagnée, qui durait plus que 28 ans. Mais bien de bagailles sous Duvalier, nous n'avons pas gagné, par exemple. Et quel massacre a fait comme ça, à répétition, dans une année. Ou capable de 3-4 massacres, ok? Et c'est des massacres qui ont fait à quelques petits
à quelques centaines de mètres du palais national, à quelques centaines de mètres de quartier général et de l'armée. Donc à ce moment-là, n'importe citoyen capable de faire l'hypothèse d'une complicité de voir par rapport à ça. Nous pas disons ça lié, mais il y a des gens qui peuvent faire l'hypothèse d'une certaine complicité si ce n'est pas incapacité totale que l'État a gagné pour cette situation. Même envie nous était et journée aujourd'hui là, et par exemple et non ça n'a pas les là au professeur, est-ce que le fait que situation socio-économique dégradée net et le fait que du coup je souhaite expliquer c'était bien net que Dessalines devait, mais Christophe Nanor par exemple dit que liberté ça se construit parce que même si on a faut base économique, faut base sociale, faut continuer, faut qu'on nourrit vision. Est-ce que c'est pas parce que nous pas travaillons réellement pour nous créer conditions matérielles pour tout pour nous vivre l'autre genre dans le pays là, qui fait que toujours on dit groupe monde cap goumen pour accaparer toute richesse et puis créer on violence continue et qui pas jamais garder stabilité vrai pour que nous fait pays. Bon, là où on est victime d'une situation, il est facile pour on dit que et c'est pas lui-même, c'est l'autre monde qui est responsable de ça, etc. Mais moi, je pense que le monde, ou bien une collectivité, un groupe, et même un pays, est trouvé dans une situation, tant qu'une situation côté nous, il faut nous garder et déterminer de plusieurs côtés. Premièrement, et moun nan peyi a yo même yo gen responsabilité yo par rapport à malheur qui rive yo parce que ne serait-ce que parce que existé comme moun ne serait-ce que parce que existé comme communauté ou même comme pays yo gen responsabilité parce que yo ka capable empêcher ça fait et parce que yo gagné inscrit nan capacité nan patrimoine génétique yo et bien et cette capacité là pour yo ta capable révolter ou pour ta capable organiser d'une manière telle que cela pas arrivé. Ok, donc c'est-à-dire que d'une part, que communauté, la société, pas nous, elle-même, les responsabilités, pas dans ce qui passe là, parce que dans ce qui vivre là, parce qu'on était capable d'organiser pour ça pas arriver. Mais d'autre part, il y a tout, outre la responsabilité de notre société, de nos groupes, etc., gagner et responsabilité de notre environnement. Et notre environnement, c'est nos relations avec l'étranger. Et l'étranger, c'est la communauté internationale, entre guillemets, et comme mon communauté, mais l'étranger aussi, c'est l'Empire, c'est les grandes nations, les grands pays qui cherchent toujours à imposer leurs intérêts et à défendre leurs intérêts, à imposer leur volonté aux petits pays qui dépendent d'eux. C'est-à-dire qu'il y a deux côtés pour nous voir la situation. C'est-à-dire que la situation d'Haïti, Haïti n'a pas de gens liés, c'est pas bien rien, et pour nous payer la dette de l'indépendance. Et Haïti n'a pas d'abidjan lié à si c'est pas de gagner occupation américaine. Haïti n'a pas d'abidjan lié à si pas de gagner à faire capitaine bas, etc. Pour me citer ça. Et donc, c'est-à-dire que nous gagnons de tradition de rapport avec ce pays. Au brand qui, eux-mêmes, c'est toujours imposé nous de politique, c'est toujours imposé nous de bagaille qui fait que nous s'ennuyons aujourd'hui. Et si nous avons plus récemment, là, moi parler de question d'être indépendance, non, parler d'occupation américaine, mais tout récemment, à nous garder plus près, ça qui vient. Par exemple, nous avons une population qui a l'élection. À l'élection après 2010, après être tremblement de terre là, et qui votait quoi. Et ils ont voté deux candidats. OK? Et il se trouve que candidat qui ont voté pour aller dans le deuxième tour élection, ce n'est pas eux qui ont dans le deuxième tour. Bon, ça, c'est pour un bagage que m'a inventé. Nous tous capables de garder assistance mortelle, nous tous capables de garder et témoignage président, ce président Préval, nous tous capables de garder, par exemple, et nous capables de coûter, si nous voulez, et interview que l'ancien et président conseil électoral détaille, c'est que les résultats des élections qu'on avait eus en 2011, c'était des résultats imposés, par des puissances étrangères. C'est-à-dire, et nous connaissons que ces élections-là, voici mes copains. Est-ce que vous comprenez? Il en parle de Pierre Lupon. Ça, nous sommes capables de déterminisme externe. Le déterminisme externe par rapport aux relations que nous entretenons avec les puissances étrangères.
Mais nous-mêmes, tout dans la société, c'est-à-dire que nous sommes capables d'organiser nous pour nous défendre les intérêts de notre société, les intérêts de notre pays. Et je trouve que toujours il y a un facteur qui fait que mettez tête ensemble pour l'idéal de pays, mettez tête ensemble pour la création du bien commun, pour le respect de la souveraineté nationale, pour la défense de notre dignité, ce n'est pas une entreprise facile. Mm-hmm. Donc moi, je crois que la situation que nous gagnons là, nous capables de référer nous à deux, nous avons fait deux exercices pour nous mener nous là. D'une part, c'est la responsabilité de la nation. Ok, par exemple, il a assassiné Maître Dorval, mais avant Maître Dorval, c'est que Monsieur Saïe, et avant M. Saïe, il y a l'autre, il y a assassiné Jean-Dominique. Il y a Dominicain parfois prend Haïtien, mettre sur place publique, couper les oreilles, il y a bien ça au prendre, bien ça au tuer. Le président aux États-Unis, il traite nous de shit-hole, pas qu'être côté humilié, nous, mais. Bonjour lui, je dis à la. Pas pour que j'aime arriver provoquer une sorte de. Synergie pour faire que bon population qui mobilise qui dit la fierté haïtienne pour dire la dignité haïtienne ou bien la souveraineté nationale et bien on va défendre ça. Donc pendant on parle même de nos responsabilités non. Pendant qu'on parle de défendre souveraineté nationale là pour sur lui et matin nous t'ai voulu gagner parmi invités nous et le chancelier haïtien a parlé de Claude Joseph qui lui-même écrit une lettre accord diplomatique là et dans le pays d'Haïti pour mander yo tout ça au moins à travers et on capable dire en termes d'accompagnement pour les prochaines élections. Maintenant, l'on garde l'état que chancelier haïtien voué by corps diplomatique là. Pendant qu'on parle de souveraineté nationale là, ingérence ou encore imposition de l'international, particulièrement par rapport à la dernière élection 2010-2011 yo, côté que Pierre Louis Ponté dit que c'est pas résultat ça que le débat en termes de en tant que directeur pardon et conseil électoral là. Comment on va le faire pour nous gagner souveraineté, ça va parler là? Bon, écoutez, on n'a pas dit l'être chancelier noir, et par contre, on est chancelier non plus. Alors, l'homme du mot par contre, là, c'est pas un collègue universitaire, c'est pas un camarade de classe, etc. C'est juste son autorité dans le pays. Ok? Bon. Moi, je pense que c'est pas lui-même. Alors, lui-même, il est entré dans la tradition de pouvoir. Il est entré dans la tradition de régime et que il y allait dans sens régime là. Et moi pas penser que c'est lui-même qui était comme ça qui allait qui prend décision on les pour aller plein tant pour son petit monde qui a joué dans la cour et puis il y a un ballon on s'y a de bons boy et puis maman papa plein je crois moi ça m'a pas c'est lui-même qui décide de faire ça comme ça moi pas il fait lui en accord avec le chef du gouvernement il fait lui en accord avec le chef de l'État c'est ça me supposait. Mais à nous garder, là, on dit que ce n'est pas lui-même seulement, par exemple, qui s'est passé. Il y a un étudiant de la faculté de technologie qui a arrêté, et il y a une accusation de celui qui a dit que l'idée menace l'ambassade américaine. OK? Nous avons un leader politique, un leader d'opinion qui est en prison actuellement, qui a accusation de celui qui a dit attaqué, il représente une menace pour l'ambassade américaine. OK? Pas l'impression que nous sommes dirigés par son Donax. Ou bien par des émissaires, ou bien par des envoyés de l'Empire qui cap dirigent nous, etc. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'on bagaille qui. Bah, qu'on est, soit qu'on protestation citoyenne, ou bien gagne d'éléments de bagaille qui passent dans le pays, qui t'a voulu inquiéter pour voilà. Le recours, il fait. Et auprès de corps diplomatique et qui dit corps diplomatique auprès de gros patrons qui c'est l'ambassadrice ou bien l'ambassadeur et des États-Unis l'Amérique. Donc moi quoi son réflexe et infantilisant qui dans le sens de dédié au talo comme métaphore c'est comme vous avez des enfants qui jouent et puis il y a des adultes eux-mêmes qui s'amusent sur la tonnelle. Et puis il arrive qu'entre deux enfants, il y a des affrontements. Et puis, il y a un coup, elle ne peut pas plaindre parce qu'elle pensait que papa a gagné. Moi-même, je crois que nous sommes dirigés par des professionnels de la politique. Hein. Il semble qu'ils ne croient pas trop dans le principe de la souveraineté nationale. Il semble que c'est des gens qui croient davantage dans la défense. Hein. Du pouvoir, mais le pouvoir à quel fin? Le pouvoir
à des fins de défense d'intérêts personnels et non collectifs. Professeur Louis, et comment expliquer la violence qui gagne actuellement là dans le quartier populaire et plus particulièrement dans Bel Air? Et est-ce que ça t'a rentré dans la ligne pour Kembe pouvoir, nous connaissons ou pas prêter trop, et dans la ligne pour Kembe pouvoir, dans la ligne pour faire mon peur, ou bien nous t'a dit c'est banalisation totale? Comment expliquer ça dans le quartier populaire qui charge mon gâteau de violence ça? Bon, premièrement, pour nous comprendre la violence qui vient là, ça c'est la violence visible, hein, et c'est la violence dans son expression la plus meurtrière, la plus avilissante, c'est-à-dire et vider balles sous le monde, encercler le monde dans caille, mettre du feu, ensuite camper dehors, tant qu'il sorti pour nous tirer si on n'avait pas boulé, ou du moins sans tuer de monde, et puis et pas même quitter Koa, cadavre là pour mon agon sépulture, alors c'est et puis brûler, ouais, et ça fait yo bay moun de non quoi, m'ba vez esité non yo, parce que des moun kap boukan mien vian yo gon non quoi. Donc, moi dit pour nous, elle non cadre global. Non cadre global, c'est que nous avons violences qui sont violences structurelles. Les violences structurelles que nous gagnons sont violences et qui traduit par l'impossibilité pour des monde pour le non plat manger pour manger. C'est une violence qui traduit par l'impossibilité pour des monde venir faire de l'eau pour boire. Et c'est une violence qui traduit par l'impossibilité pour des monde joindre et parfois venir toilette pour satisfaire un besoin physiologique. Et c'est une violence qui traduit par l'incapacité des familles pour être capable de payer l'école petit yo, parce que dans le pays qui vient canner l'école timonio et était toujours dans le tiroir professeur. C'est-à-dire que ça sont formes de violence qui découlaient de rapports sociaux mi haut mi bas qui viennent dans la société. Côté gagnant, on minorité du monde qui a capacité pour être capable d'accumuler capital, ressources, pouvoir. Et puis, une majorité de monde qui vit dans la classe et de la misère. Donc, une sorte de violence structurelle, ça le fait, c'est que la prime de citoyens et de citoyennes taillables, corvéables à merci, et côté de l'autre monde capable de sortir dans l'autre catégorie sociale, dans l'autre classe sociale, mettez âmes dans le même ça et disons qu'ils sont capables non seulement de pouvoir avec âmes, non, mais yo, parce que les âmes sont capables d'avoir l'argent, les âmes sont capables de faire prononcer comme de monde et qui fort comme de héros, comme de acteurs de cinéma que ouais, et il choisit de monde non parmi principal monde qui victime violence ça, c'est qui victime violence structurelle là, c'est là-dedans il choisit et c'est là-dedans il choisit les acteurs de la violence visible que nous gars là. Donc alors pour nous comprendre une situation comme ça, faut que nous comprenions une situation de misère, faut que nous comprenions une situation de marginalisation, d'exclusion, que nous nous obligeons maintenant, et qui permettent facilement, ou capable de recruter de monde, ou capable de mettre des armes dans les mains, ou qui sont capables de même constituer un gang, un groupe de malfaiteurs pour faire mal, et puis, à ce moment-là, ils sont capables d'utiliser pour créer toutes sortes tout type de pouvoir politique, par exemple. Vous prenez une expression que les gangs électorales. Bon, on n'a pas besoin d'entrer là-dedans parce que le temps nous est compté, comme on dit d'autres ailleurs. Donc, moi, je pensais que pour nous comprendre une question de violence, il faut entrer dans la violence structurelle là. Et moi, je pensais que même j'ai une utilisation qui fait de monde qui vit de violence structurelle là, une utilisation qui fait de yo pour capable renforcer le pouvoir de monde, je pense que c'est même gens qui sont capables de faire même utilisation de monde ça pour création pouvoir politique là, création capital politique là, et ça capable vraiment funeste, dangereuse pour la nation. Nous on pressé, nous on bouge à charger. Non pas qu'un bon fond qui doit aller. D'accord. C'est ton plaisir. C'est ton plaisir. N'a pas qu'un contact là. Merci. Voilà. Bonne journée. Nous même tôt. Merci un peu et professeur Ilionor, lui qui était avec nous. Matin, c'est pour les gens qui font un bon petit coup de sacrifice pour nous et pour l'aider à accorder nous quelques 25 minutes matin. Et professeur essoufflé. Oui, pour nous, on est capable de s'y garder. Coup ça t'est long. Coup ça t'est long, professeur. En tout cas, et quatre pelouses, et matin, t'as regardé pour une jeune CNDDL qui s'est baisé à déclarer hier.
C'est vous-même qui fait monsieur, vous faites gang, Genef. Et qu'est-ce qu'il dit ça? Commission nationale des armes. Qu'est-ce qu'il dit ça? Et monsieur Dorsena. Il dit c'est vous-même. Oui, et vous-même qui fait fédérer, plus qu'à contrôler au plus, plus qu'à conseiller l'interlocuteur. Bon, et justement, c'est peut-être. Non. Genef fait, il se compare à l'État. Fort Paris, non? Et ça m'a dit à sérieux, oui. Il était sérieux, oui. Parce que, tout simplement, chacun a une méthode. Donc, méthode par lui-même, c'est faire fédérer, mettre ensemble. Et puis, ça, il va comprendre. Et puis, c'est un montre macaque qui vous est roche. Et puis, pour macaque, premier monde pour le casse tête. Il y a un spécial dans la commission. Qui est-ce? Jude. Et Faustin? Non, Jude, monsieur Amboise. Baronet. Jude, ah, Moïse qui compte nos amis à Piclet, ses amis, oui. Monsieur Jean-Pierre? Monsieur Jean-Pierre, oui. Et ses amis, non. Bien, Jude, oui. Non, mais c'est ça, mes deux amis, non. Ça, Jude fait. Bon, Jude, dans la commission, tout. Et c'est Jude qui. Qui gagne les missions principales, là. En tout cas, comme ça, c'est pour dans le gros avec eux. Mathieu, les messieurs, les dix pas parler, Mathieu, parce que. Jude? Non, monsieur, dans le Sénat. Les dix mille pas parler. Conférence des presse, pito, en tout cas. Et. Capulus. Problème grave, oui. Il est plus grave que je ne pensais. Et tant que le professeur a parlé là de violence structurelle. Et c'est comme si Jean-Pierre Yavigné là et M. Fouchard. M. Danger. Ah, M. Danger. Oui. Fouchard, c'est le prénom. Oui. Ah, non, c'est Danger. Oui, M. Danger. Mais ça, grave. Ah! Monsieur Amboise, on ne peut pas poser ça, nous ne pouvons pas du tout, Monsieur Amboise, et ah, un salut pour l'auditeur. Non, non. Nous ne pouvons pas souffler. Une écoute de poser à tout de suite. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, messieurs. Est-ce qu'on connaît bonjour, c'est un petit mot de syllabes qui a ouvert toute porte? Ah oui. Est-ce qu'on connaît tout, un simple petit bonjour qui a aidé un prochain passer un bon journée? Ça, c'est vrai. Dis-moi bonjour, m'a dit bonjour, comme ça, la vie va plus belle. Ça, c'est un message Radio Télé Pacifique poté pour améliorer le rapport mon à mon dans le pays. Compagnie nous en relais Pinson SA. Elle n'a pas aucun autre nom. Pas prendre un fumamite, pas prendre un imitateur. Directeur compagnie, c'est Tipinson Tetnob. C'est lui qui était chef pompier dans l'aéroport. Chaque deux ans, il est obligé de passer un examen pour si monsieur au courant dernier technique et dernier produit qui gagne sur le marché. Donc, petit Pinson Tetnob certifié comme spécialiste dans le combat du fait. Pinson SA, Delma A1, numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. Pour ajouter une touche spéciale à votre décor, jardin, bureau ou intérieur, visitez la boutique Bohème. Bohème vous transportera dans un univers où se côtoient des pièces uniques de style industriel, moderne, oriental, résolument tendance. Conseils déco ou commandes personnalisées, le personnel qualifié saura vous guider dans vos choix. Situé à l'angle des rues Chavanne et Clairvaux à Pétionville, Bohème, sur Facebook et Instagram, à Bohème Boutique HT. Cadeaux, accessoires, mobilier, Bohème. Un peu de tout, de partout. Avec 87 chaînes, nous n'avons qu'à prendre des chaînes. Passez prêter l'Haïti pour là, la locale Access Haïti ou bien Aïnet qui pipe là. Ou carrément nous tout. La 2943-3000. Nous t'avons dit depuis la pluie tombe, tout l'autre disparaît. Nous même télé Haïti n'est pas tout parapluie. Avine dit ça. Le quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM.
Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez Le Journal. Et ce n'est pas tout. Le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ici, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National, plus près de vous, à travers la technologie. Maman, car on machine, pour le stade, crash check, ça c'est Subaru. Boum, boum, tapacate, ça c'est Subaru. Yes, grippez mon nez, gars du sol, Subaru. Bagne prenant le chat, aime le Subaru. Yes, pour le stade, crash check, ça c'est Subaru. Boum, boum, tapacate, ça c'est Subaru. Grippez mon nez, gars du sol, Subaru. Yes, bagne prenant le chat, aime le Subaru. Subaru, mettez-moi, frère, mettez-moi. Chaise malaise moule soir qui machine lick swap jeune n'a pris ça yon machine japonaise wadi konnichiwa konnichiwa kado chassis machine de classe si c'est pas le viré gade les ma passe automata kado vitesse kado sécurité kodra pa ka passe kon Subaru toujours passe pour le stand crash check ça c'est Subaru voum voum patate ça c'est Subaru je peux mon nègre du sol Subaru Subaru pas de prenant washa aime le Subaru Subaru pour le stand crash check ça c'est Subaru voum voum patate ça c'est Subaru. Sous ta remède gon Subaru, même j'en vais, viens jouer nous dans Automeka. Adresse 22 boulevard Toussaint Louverture sous Wouta Yopoa. Téléphone 2941-2544 et 2941-2545. Et sous net là, automeka.com. Dans l'idée pour sensibiliser tout peuple haïtien sur l'importance nouveau 4 identification nationale, Office national identification, ONI tamen yon campagne dans 4 coins pays d'Haïti. ONI a profité rappeler tout le monde délai pour aller faire nouveau 4 identification nationale, c'est 16 octobre 2020. Cap vini là, Jean décret 18 juin 2020 a mandé ça. Qui donc, citoyens tout partout dans pays a, marché pressé, tout bureau ONI déjà l'ouvri porte yo bien large pour recevoir demande yo et puis ba yo service pressé ak bon gens accueil. Ou doit marcher ak youn nan pièce si la yo. Baptiste, extrait d'archive, certificat baptême légalisé. Ou même madame mariée qui t'a remé mettez nom mari ou sous 4 signes. Songez marcher avec acte mariage. Pièce d'identité si la, c'est en 4 multibiométriques. Ça veut dire, li fait à partir toute information sou moun kap fèl la. Tant kou, empreinte douette li, empreinte gel ak reconnaissance faciale. Mettez sous ça, li vini ak yon piste électronique qui donc, pa gen pièce possibilité pour faire faux 4 ça. Nouveau signe, fait rapide, facile ak yon matériel solide qui pote non polycarbonate, li résiste ak glow, chalet, et puis bay yon garantie 10 ans. Tout citoyen à la ronde bade, doit dégager yon kou met Jean-Jacques pour gen nouveau 4 signes avant date 16 octobre cap vini là. Pas oublier, aucun monde pas autorisé à le chercher 4 pour moun. C'est médecine seulement qui peut passer chercher dans bureau ONI côté le tefel là dans une période qui pas dépassé 8 jours. ONI a prêté l'ouvrir 7 jours sur 7 pour servir population hein, moun cap vive avec un handicap gain priorité dans toute bureau ONI. Pas attendre date 16 octobre arriver sous nous pour le faire 4 là. C'était un message Office national identification ONI. Glamour, fashion, tendance and vintage, Bella Boutique a la baguette magique nécessaire pour vous transformer en ce que vous voulez. Trouvez la tenue idéale à Bella Boutique qui vous laisse un large choix de marques pour un mode qui vous convient et qui saura répondre à toutes vos envies. Passez à la rue Panaméricaine, local Harry's Restaurant, suite 111 ou appelez au 42 64 03 03. Choisissez Bella Boutique pour se faire chic et se sentir unique. Combien de fois vous dites un prochain merci parce qu'il t'a aidé? Combien de fois vous dites parents merci pour ça vous fait pour vous? Combien de fois vous dites merci les gens qui rendent un service? Toujours songez de dire merci à quelqu'un qui fait bien pour vous. Ça, c'est un message Radio Télé Pacifique Côté pour améliorer le rapport monde à monde dans le pays. Pendant pays États-Unis, Haïti et partenaires régionaux ont travaillé pour préparer une saison capotée en pile cyclone pendant la pandémie COVID-19. Nous avons déconseillé les migrants pour parler avant de tirer un prendre bateau pour faire un voyage dangereux qui a même la cause de la mort. Dernier groupe 266 Haïtiens qui ont été menés retourner au Cap Haïtien, après l'autorité de l'État qui a été en bateau pour voyager, montrez-nous l'autre fois encore que c'est la peine pour nous risquer la vie dans le genre de voyage ici. Pays États-Unis partage des pays d'Haïti pour yon des meilleurs pour peuple. Et puis, nous continuons à travailler pour yon Haïti qui est plus sûr,
qui gagne plus sécurité et puis prospère. Chauffeur propriétaire. Radio Pacifique, qui n'a nous branchez, écoutez et puis tendez. Pacifique FM. Port-au-Prince, Jérémy, Okaï, Cap-Haïtien. Pacifique FM. Plateau Central, Latimouli, Port-de-Paix, Fort Liberté. Pacifique FM. NIP, Jacmel et puis dans la diaspora, à même passion. Radio Pacifique FM, notre passion. Radio Télé-Pacifique, l'unique transparence, la seule. La vraie station choisie parmi tant d'autres pour mieux vous édifier. C'est l'heure du billet. Pour couronner le journal Pacifique Matin, l'éditorialiste Jacques Ambroise donne le ton en vous présentant son billet à compter de 8h50. 10 minutes de réflexion, d'analyse face aux différents problèmes d'ordre socio-politique. Le billet de Jacques Ambroise, un rendez-vous à ne pas manquer. Le billet de Jacques Ambroise. Crise haïtienne, véritable cercle vicieux. C'est bien le titre du dernier billet de Jacques pour cette semaine. Jacques, bon billet à toi, frère, et puis bon week-end. Merci, Danger. Bon week-end à toi aussi. Je veux dire, c'est vendredi, et vendredi 5 d'août. Donc, quand on peut nous entrer là, Kayo, et c'est pas trop pressé, et c'est rien dans vendredi 5 d'août. Mes amis, hors du sujet. Non seulement dans le mois de septembre, et puis je dis, ah, c'est 4 septembre. C'est-à-dire, nous sommes de l'heure net allé. Donc, on peut nous parler avant pour le dernier billet, et pour ce maintenant. Nous dit que son véritable cercle est vicieux. Généralement, le nous non cercle n'a fait won, je ne connais dire pas gagner progrès n'a fait won parce que c'est viré n'a tourné en won et ou songe l'autre petit monde ou te qu'on a pu jouer et dans won yon ki bébé n'a pas aller et puis n'aller jusqu'à ce que ça qui fatigue a les mêmes liquider won. Mais en termes de progression réelle, nous n'avons pas de chambre. Et je dis à nous remarquer que ce qui a fait dans le pays, c'est toujours même et démarche qui ne pa permet que le pays prenne l'autre direction, tout bon vrai. Et quelle que soit la décision que nous prenons, c'est des décisions qui toujours concernaient un groupe monde ou bien un petit groupe monde et en d'un pays. Parce que jodi a ça qui concernait pays, ça qui concernait ça pour nous avoir fait tâche l'état et li en pile. C'est pas une dernière mesure qui sorti là yo que BRH dit et il gagne 150 millions de dollars, il mette sur marché pour capable faire dollars baisser. L'obgade gagne 2 semaines de cela, vous avez besoin 120 goudes, 125 goudes pour être capable de gagner dollars. Et puis je dis là, ou est-ce que son baguette magique, mais ce n'est pas baguette magique réellement, puisque il y a 150 millions qui investissent et pour elle tomber à 101 goudes, 103 goudes pour un dollar, vous dites, ah, grand bagaille qui fait. Ah, semble ça pas bien mal. Mais maintenant, pour combien de temps? Et c'est qui est-ce qui bénéficie de mesures ça? Nous, clé la donne. Que ce petit groupe monde qui a bénéficié de mesures là, d'autant plus que nous, nos pays, côté
situation socio-économique là les vient très 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 difficile personne pas ca et sortir par contre qui sain pour capable briller et puis ensuite quelle est la nature de cet investissement et nature comme si injection comme ça qu'on fait là c'est-à-dire qui groupe qui tient entreprise qui t'est et apprendre parce que y a pas de cas acheter dollars et que ça te cap permettre yo pour kembe et moun rete travail parce que et bénéfice que yo te konn faire la passer nan dépense est-ce que gen moun ki ka ban nou en terme chiffré pour qui ça et nous ta ka di ça pas ka résoudre net parce que dollar si nous te prendre un an de cela combien te est-ce que c'est première injection que nous fait sur marché pour et permettre que nous contrôler dollar non ça veut dire toute solution ça que nous prenons ce sont des palliatifs c'est la solution qui pas permettre nous résoudre problème non vraiment pas même à moyen terme parce que si le temps moyen terme puis t'a réfléchi sur lui chaque jour peut-être on t'a fini par joindre une solution définitive pour t'a dit à long terme le problème est résolu non les parents ça et l'autre gros cause moi tout ça que n'a parlé là et c'est pourquoi que nous parlons dans un gros cercle vicieux c'est-à-dire n'importe qui moun ka blessé la dani n'importe qui moun ou ka mourir la dan pour plus grave Haïti c'est un propre pays, ça ne pas rentrer dans aucun détail. Nous prenons situation et localisation géographique nous. Nous dit que son zone qui a risque sismique. Ça veut dire nous connaît un tremblement de terre. Nous c'est un pays qui chita non zone côté que cagé cyclone, regardez deux trois gouttes la pluie qui tombe dans l'aura, dégâts qui fait et semaine et qui sont passés là. Ça veut dire catastrophe naturelle yo. Yo représente yon gros menace pour nous. Donc en plus, nous pas jam pou mizi pour permettre que nous protéger tête nous en les gagner gros catastrophe naturelle même si gen plusieurs et cyclones qui passaient qui touyer un paquet de monde d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans et plus et puis l'on n'a pas agi, nous pas ouais et nous prendre et des mesures pour nous dire que ça yo pas privé encore nous ka gen l'autre qualité problème mais problème que nous sort gen là yo nous pas wè yo ça veut dire si jodi à la par exemple par rapport à détérioration et situation par rapport à mauvaise gestion Haïti qui bail toute l'air un pays failli parce que gagner ça n'ta ka une dérégulation qui parce que totale et cette de régulation lui-même lui orchestré par anti mafia anti groupe moun ko pa konn ni couleur yo ou pa konn visage yo et fait c'est yo qui là c'est yo qui vrai que situation était comme ça même parce que c'est là ça que le bon pour yo c'est là que li fait nan fait noir li bon pour yo pas belle explication et ça que fait en Haïti et qui rend cercle lui-même li plus vicieux nous pas d'accord pour une bonne explication nous pas d'accord pour une chita sur des faits pour expliquer et c'est ça que fait nous prend plaisir en pile fois nous touyer personnalité moun en pile fois nous attaquer moun qui veut faire on cause qui positif et nous attaquer dans tout secteur et que ce soit moun qui a investi qui gagne comme moun qui dans classe moyenne etc professionnel je dis à tout moun nous ouais comment mettre mon frère de val etc nous attaquer et plus particulièrement et violence ça et servicieux ça nous joigni dans quartier populaire dans quartier populaire t'as qu'à dire que son violence structurelle qui au quotidien parce que c'est d'un côté les n'allez moun yo pas même qu'à satisfaire les besoins primaires les besoins élémentaires et y a vivre dans un environnement qui complètement délétère rien l'on allait vous poser cette question dit mais c'est pas possible comment pour moun faire vivre là comme ça dans madou salsa ou dans mangouin sa ou dans qualité kaisa ou c'est-à-dire c'est des moun ou mandé est-ce que c'est moun est-ce que c'est comme ça moun ta doit vivre et violence structurelle ça là li permettre que moun yo
yon ap touye lot. Et c'est ça que fait dans le quartier populaire, on parle de deux phénomènes. On a un phénomène gangsterisation, c'est-à-dire en dedans yo où on a regardé film cinéma pour comprendre ça qu'a privé sur pas une chance aller dans le quartier populaire bah ici. On parle que moun k'ap mouri yo en dedans quartier yo, c'est tel tel quartier par rapport à tel tel quartier, mais c'est quelques mètres qui séparent yo. Et ça veut dire 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, et puis dit, mais l'île, tant que l'un de tes mounes encore, nous qu'on a fait la groupe, et nous traçons l'île, ça pour y aller avant, on dit, mais quoi, maman, mais quoi, papa, une pile, et puis il s'entretue. Parce que faut qu'on bat aux âmes, c'est avec âmes, ou après contrôler, et quitter nos situations de misère, de telle sorte que pas jeune encore, pas jeune encore, c'est davantage, et puis laisse ça ou même, ou après contrôler par le ventre. Et l'autre bagaille, qui t'a permis que, ou sorti dans ce cercle vicieux, ça, c'est nous parler de quartier populaire. Il n'y a qu'une seule façon de sortir, c'est de la solidarité. C'est de leur faire comprendre que la situation qui a vivre dans le pays et dans la zone côté où il y a, si vous voulez sortir la donne, c'est tout pour qu'ils collent les épaules. C'est tout pour qu'ils comprennent que fuck, c'est ensemble nous sortir. Et si on a battu pour sortir pour quitter l'autre plan, c'est très difficile. Parce que dans l'histoire de l'humanité en général, il y a très, très, très peu de personnes, très peu de monde qui réussit pour quoi. Généralement, c'est là que nous avons une base consensuelle. Pour la grande majorité possible, c'est là que nous avons une chance pour nous capables de sortir. C'est là que nous avons une chance pour nous capables d'exister, pour nous bailler pays, pour nous bailler zone, côté que nous habitons, côté que nous vivons chaque jour, et pour nous sortir tout. Dans la logique violence structurelle. Parce que violence structurelle, c'est une violence qui met en situation, en pile fois, où dit quelqu'un soit souffert et un n'a pas marché, et puis capable de venir déboucher, tant que son monde qui est résigné. Et vous dit ah, mais c'est fait tout bagaille, un n'a pas marché, ah ben, que la volonté de Dieu soit faite. Nous pas qu'à comme ça, nous pas qu'à arrêter comme ça, et c'est ça qui sert vicieux à même, problème non. Faut que nous fassions solidarité et d'ailleurs, faut que nous commencions à comprendre. Question pour nous poser, comment pour le monde vivre tant que le monde et l'un qui répond, comment pour le monde vivre tant que le monde, à savoir pour besoin, capable de satisfaire que ce soit besoin primaire et l'autre qualité besoin, gens et gros connaissances, connaissances sont Maslow de dire là, laisse ça, tape en route pour ne pas marquer pas en place, mais au moins pour nous faire une société pour permettre que tout le monde capable de gagner droit pour exister. C'est un plaisir pour nous faire un dernier billet avant. On a bon rendez-vous pour lundi prochain pour l'autre édition. En attendant, Vive Haïti a fini. On connaît le laisser vendredi. Vive Haïti en direct dans la télévision. Monsieur Ola, pas de dame encore non. Et je ne sais pas si Vive Haïti est machiste. Ou bien, je ne sais pas si vous êtes dans le couvert. Mais offrez un rôle à 15. Et il n'y a pas seulement frais, il n'y a pas le bon côté pour vous. Donc, bon week-end et puis, à lundi.